A lot of flesh nation in the world. Par la COVID a décimé plusieurs hommes sur la terre. By COVID-19 killing a lot of people on the earth. Si 2020 est à laisser vivre. If you still living on this year 2020. C'est parce que 2020 reconnaissait que toi tu n'étais pas fait pour mourir en cette année. Because 2020 knew that you were not done to die today. Et j'aimerais te dire que si tu es là ce soir, I want to tell you that if you are here c'est tonight, parce que tu es le choix de Dieu pour ta famille. Because you are the selection of God for your Je family. Pensais que quelqu'un devait s'élever et dire Amen. Je pensais que quelqu'un devait dire Amen et bien fort. Je dis, tu n'es pas le choix des hommes. Tu es le choix de Dieu pour ta famille. Dieu va appeler Gédéon. Il va dire lève-toi et va renverser l'autel qui est dans la maison de ton père. Tu es un Gédéon ce soir. Tu vas te lever et prier avec moi. Tu vas commander à toutes les forces qui se sont levées ce soir pour nuire à ce programme dans ta famille. Que toutes ces forces soient anéanties. Là où tu es, tu peux te mettre en prière. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur vous bénisse. Of God, be blessed. Là où vous êtes, wherever you are, je vous prie de bien vouloir prendre place. I invite you to be seated. Vous pouvez ouvrir rapidement vos Bibles. You can open up your Bibles rapidly. Dans le livre de Genèse chapitre 3 à partir du verset 15. Book of Genesis chapter 3 from verse 13. Genèse chapitre 3. Genesis 3 à partir du verset 15. From verse 13. Si vous avez une Bible avec vous, if you have a Bible with you, vous pouvez l'ouvrir. Would you mind opening it? Genesis chapitre 3, chapter 3, à partir du verset 15. Verse 13. L'un de nos pasteurs va faire la lecture. Genèse chapitre 3, Genesis chapter 3, à partir du verset 15. From verse 13. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Merci. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 3, à partir du verset 15. La Bible déclare, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. » Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point.
Le sol sera maudit à cause de toi. Ok, merci. On va s'arrêter là. On va recommencer à partir du verset 15. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Ok, merci. Merci. Verset 15, on va lire à deux. Verset 15. Oui. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Entre ta postérité et sa postérité. Merci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre sa postérité et ta postérité. I will put hostility between you and her. La Bible nous parle ici des deux types de postérité. So the Bible is talking about two types of posterity. Downright line. La postérité de la femme. The downline of the lady. Par laquelle toutes les familles sortent. From which all the families are coming from. Et aussi une deuxième postérité appelée la postérité du serpent. It is also a downline calling that from the snake, that of the snake. Bien-aimé, est-ce que vous savez que le monde dans lequel nous sommes, begotten of God, did you know that the world in which we live in, est le champ d'action d'une guerre des deux postérités. It's a battlefield of two posterity, of two downlines. Ok, on me fait signe que le volume est bas ici, s'il vous plaît. Je reprends, est-ce que vous savez que le monde dans lequel nous sommes, did you know that the world in which we are living, est le champ d'action d'une guerre des deux postérités. It's a battlefield of a war of two posterities or downlines. Il y a une postérité qui sort de la femme. A downline is coming out from the lady. Et une autre postérité qui sort du serpent. The woman and the other one from the snake. Mais Dieu dit, but God is saying, il y aura inimitié entre ces deux postérités. There will be hostility between these two downlines. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'amitié. There will not be any friendship. Il n'y aura pas de lien. There will not be any link. Mais il y aura inimitié. There will be hostility. En un mot, il y aura de la division. In one word, there will be division. Entre ces deux types de familles. Between these two types of families. Bien-aimés dans le Seigneur. Begotten in the Lord. Nous sommes réunis ici parce que nous sommes dans le contexte familial. We have gathered because we are in the framework of the family. Souvent nous nous sommes précipités à chercher des choses de manière personnelle. Some of the time we rush in to find out some personal things. À prier pour notre santé. By praying for our health. Prier pour nos affaires. Praying for our business. Prier pour une quelconque chose. Praying for any kind of thing. Mais nous avons compris. But we have heard and understood. Prier pour sa famille est très capital. Praying for his own family is very important. La semaine passée, l'Esprit de Dieu est venu se présenter à moi. Last week, the Spirit of God came to me. Il m'a dit ceci, mon serviteur. He said me this, my servant. Les familles passent par des temps assez difficiles. Families are passing through very difficult times. Aujourd'hui, la cellule familiale est attaquée partout dans le monde. The family cells is now being attacked all over the world. D'ailleurs, par des lois qui sont votées, nous pouvons le constater. By laws which are appointed, we can notice it. Le diable a un projet d'attaquer la cellule familiale. The devil has got a project to attack the family cell. De fragiliser la cellule familiale. To fragilize the family. Je parle de la dislocation de la cellule familiale. I'm talking about the fragility of the family cells. Il veut enlever à la famille sa dignité. He would like to remove to the family its dignity. Son unité. Its unity. Sa gloire. His glory, ses promesses, his promises, et son destin. And its destiny. Sociologiquement défini comme étant la cellule de la base de la société. Sociologically speaking, as being the cell of the society. La famille joue un très grand rôle dans celle-ci. The family is playing a very important role in the society. Nous savons qu'elle éduque, elle forme. We know that it is educating elle and permet que les hommes et les femmes participent au développement de cette société. Training, allowing people to participate to the development of this society. Mais cependant, il est très important de noter que celle-ci rencontre en son sein plusieurs faits qui déséquilibrent son épanouissement. However, we can notice that there are a lot of things which are bringing a lack of balance in his blooming. Du point de vue des statistiques, statistically speaking, on a pu révéler que près d'un migrant sur quatre est un enfant. It was revealed that migrants, so one of them is a child. Soit plus de deux fois la moyenne mondiale. That more of two times the average of the world. Aussi 59% des 6,8 millions de réfugiés dans le pays d'Africains sont des enfants. So 59% of these 6 million refugees of Africa are children. Les populations d'enfants déracinés en Afrique sont environ à 6,5 millions. Unrooted population of children are around 6 million.
des migrants internationaux dont 4 millions de réfugiés. International migrants that we can find among them 4 million of refugees. Et 7 millions déplacés dans leur propre pays. And 7 million displaced in their own country. Et là c'est par plusieurs raisons. And then it is because of a lot of reasons. Parfois dû aux crises. Sometimes we have crises. Dû aux problèmes économiques. Economical problem. Dû aux problèmes aussi sanitaires. Maybe health problem or sanitary problem. Toutes ces choses, notamment en Afrique. All of these things, namely in Africa. Namely in plus Africa. Plus de 6,5 millions. More than 6 and 7 million. Des migrants internationaux, ce sont des enfants. 7 million are coming from, let's say, children. Et lorsqu'on parle de ces 6,5 millions, c'est des enfants qui ont été déracinés. C'est l'avenir de ces enfants qui ont été déracinés. When we talk about these 6.7 million, it is the future of these children which were was unrooted. C'est l'avenir de ces enfants qui ont été déracinés. So their future was just unrooted. Et écoutez, so listen, il faut être un peu assez spirituel pour comprendre l'impact de toutes ces choses. You have to be very spiritual to understand the impact of these things. La famille est attaquée. The family is being attacked. Notamment l'espoir de la société, la jeunesse est attaquée. Namely the hope of the society, so let's say youth are attacked. À cause de plusieurs problèmes aujourd'hui. Because of a lot of problems today. Et même si nous allons encore plus loin, il y a des personnes qui nous suivent depuis l'Europe ici, de partout dans le monde. Some person following from Europe and all over the world. Les statistiques ont révélé ces dernières années que 1% d'enfants sur 3 passent une partie de son enfance avant l'âge de 16 ans avec un seul de ses parents. The statistics of the world are revealing that 1% of the children are spending the youth with one of their parents. I mean, up to the age of 16. Je reprends. 1% d'enfants sur 3 passe une partie de son enfance avant l'âge de 16 ans avec un seul de ses parents. Et là, c'est en Europe. One person of children, one children on three are spending their youth with one of their parents up to the age of 16. Dû à quoi? Due to what? Au taux de divorce. To the rate of divorce. Notamment avec 45% en France. Namely with 45% in France. 45% de divorce en France. 45% of divorce in France. Et un enfant sur trois. And one children on three. Avant l'âge de 16 ans. Before the age of 16. Passe le temps avec un seul de ses parents. Just living with one of their parents. Ce qui peut parfois apporter un déséquilibre dans la vie de cet enfant. What can bring a lack of balance in the life of these children. Et les statistiques ont révélé qu'en Europe, les couples monoparentales and statistics are revealing that single families ne durent jamais. Are not lasting. Les divorces se présentent 1-2 ans après le mariage. Divorces are just coming just 1 or 2 years before after the marriage. Ce qui montre qu'il y a un véritable problème. What is showing that there is a true problem. Mais bien aimé, au-delà de l'aspect littéral, begotten, in spite of this literary aspect, il est très important de noter que ces problèmes ne sont pas forcément dus aux questions économiques, sociales, socioculturelles, socio-économiques, socio-politiques, toutes ces choses. It is very important to notice that these problems are not just related to social, economic, political and every kind of problem relating to what we have just cited. Il y a quelqu'un qui va dire ici. That somebody can say. Mais prophète, tu nous parles de la pauvreté en Afrique. But prophet, you're talking about poverty in Africa. C'est dû aux guerres. It is due to wars. C'est dû au fait qu'il y a tellement de crises. Due to the fact that we have a lot of crises. C'est dû au fait qu'il n'y a pas de l'éducation. To the fact that we have lack of education. Mais je vous en dirai plus. But I can tell you more. Car on ne peut pas parler d'une guerre sans parler du monde spirituel. We cannot talk about a war without talking about a spiritual realm. Ce sont des esprits qui font en sorte qu'il y ait des guerres. The spirit just bring him this situation of war. C'est pourquoi toutes ces questions, that is why all these questions, ne répondent pas forcément aux questions socio-culturelles, socio-politiques, socio-économiques ou encore socio-militaires. Are not bringing any answer related to economic, let's say military or every kind of subject. Mais aussi socio-spirituel. And also social and spiritual. Ce soir, je ne suis pas dans la sociologie terrestre. I'm not today in the earth sociology. Mais je viens en tant qu'un sociologue spirituel. I'm coming like a spiritual sociologist. Afin d'apporter les solutions spirituelles dans les problèmes naturels. Bringing spiritual solution into natural problems. Car c'est le spirituel qui prime sur le naturel. For it is the spiritual taking the reign over the natural. Je décrète et je déclare. I declare and I decree. Partout où ta famille fait face à un problème. Wherever your family is facing a problem. Ce soir, il y aura des réponses spirituelles. Partout où tu as dit amen. Je décrète et je déclare. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je pensais que quelqu'un avait dit Amen là où il est. Je pensais qu'une personne avait dit Amen. Lorsque nous venons dans la Genèse, when we coming in the book of Genesis, notamment lorsque nous voyons le cas de la première famille de la terre, namely when we can see the case of the first family of the earth, appelée la famille adamique, called the Adamic family, nous allons constater que c'est de cette famille que toutes les familles sont sorties. We will see that all the families are coming out from this family. Et Paul précise même en Romains, il dit plus loin, and Paul can say in the book of Romans, que de la même manière, by the same way, que par un seul homme, by a single man, le péché est rentré et a détruit la terre. Sin came and destroyed the earth. Ainsi tous sont péchés. So all of them have sont been privés de la gloire de Dieu. And they are prevented from the glory of the Lord. Si nous vivons des problèmes jusqu'à nos jours, if we are still living problem up to now, c'est à cause de notre première famille, because of our first family, appelée la famille adamique, called the Adamic family. Si aujourd'hui le monde connaît des guerres, if today the world is passing through war, le monde connaît des divisions, so we have divisions, c'est depuis l'origine avec la famille adamique. It is from the origin to be with the Adamic family. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, ladies and gentlemen, sisters in the Lord, va placer deux êtres dans un jardin appelé Eden. God is going to put two human beings in la a place called Garden of Eden. Ils vivaient tellement bien. They were living in very good condition. Car le Seigneur descendait chaque jour dans le jardin. For the Lord was coming every morning in the garden. Pour leur rendre visite. To pay them visit. La Bible déclare. The Bible says. Quand les plaçons, Dieu va leur donner une instruction ferme. By putting them, the Lord is going to give them a strong instruction. Il va dire ceci. He will say this. Vous en mangerez à tout ce qui est dans le jardin. You will eat everything in the garden. Mais en ce qui est de l'arbre de la vie. But what is related to the tree of life. De la connaissance du bien et du mal. The knowledge of good and bad things. Vous n'en toucherez point. You will never touch it. La Bible déclare. In the Bible says. Que un jour. That one day. Pendant que la femme va sillonner le jardin. When the woman was just strolling in the garden. Il y a une créature appelée serpent. There was a creature called the snake qui va aller au devant de la femme. That is going to come in front of the et woman. Et va lui dire de manger le fruit. Saying her to eat the fruit, the forbidden fruit. Vous savez que la femme n'a pas résisté, elle a mangé. You know that this woman didn't resist. Et en mangeant, and by eating, les problèmes sont arrivés dans le monde. Problems came into the world. En mangeant, by eating, il y a eu plusieurs divisions, destructions dans le monde. Division and destruction in the world. Lorsque la femme va manger, when the lady is going to eat, elle va séduire aussi l'homme de manger avec elle. Seduce the man to be eaten with her. C'est ainsi que Dieu va placer un tribunal dans le jardin. It is then that the Lord will settle a trial in the garden. En Genèse chapitre 1 verset 3. In the book of Genesis chapter 3 from il verse. Il va dire maintenant. Chapter 1 from verse 3. Say, il y aura right now, inimitié. There will be hostility. Entre toi, il va s'adresser au serpent entre toi et la femme. He will be talking to the snake between you and the lady. Car celle-ci. Because t'écrasera la tête plus loin. She will crush your head, et toi, tu lui montreras le talon. And you will bite a heel. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, sister in the word, il est très important de noter ceci. It is very important to notice this. Que l'une des choses that one of the things qui a mené la destruction de la première famille adamique, that brought the destruction of the first Adamic family, un, c'était le manque d'attention. One was the lack of attention. Ce jour-là, il a fallu que Adam, qui était l'homme, this day, Adam, Adam who was qui the man, avait reçu des instructions, who received the instruction, se déplace from the Lord, pour que le serpent vienne à séduire la femme. Moved from the snake to come and seduce the woman. Écoutez-moi. Listen. Lorsqu'il y a un manque d'attention dans une famille, when there is a lack of attention in a family, c'est un premier pas de l'ennemi pour entrer et détruire cette famille. The first step of the enemy to enter and destroy the family. L'attention est très importante. Attention is very important. Lorsqu'une maman n'a plus de l'attention sur ses enfants, when a mother is not paying attention to her children, c'est ainsi qu'elle finira par constater. It is then that you will end by noticing que les enfants deviennent brigands. Thy children are becoming gangsters. Les enfants commencent à fréquenter des mauvaises relations. They start moving in bad relationships. Pourquoi? Parce que tu n'es plus attentionné. Because you're not still paying attention. Sur l'avenir de tes enfants. On the future of your children. Tu n'es plus attentionné. You're not paying attention. Sur les études de tes enfants. On the studies of your children. Et le manque d'attention. And this lack of attention. Finit par entraîner la distraction. Will end up by bringing distraction. Et lorsqu'on est dans la distraction. And when we are falling
falling into deception. Séduction. We are into seduction. Et lorsqu'on est dans la séduction, and when we are into seduction, on est dans la destruction. There is destruction. Et après la destruction, c'est la finition. It is the end. La Bible déclare. The Bible says, il a fallu que Adam, that Adam ne soit pas aux côtés de sa femme. Just needed not to be close to a wife. Que le serpent vienne séduire celle-ci. For the snake to come and seduce her. Le serpent savait ceci. The snake knew this. Que si je venais séduire les deux, if I was coming to seduce both of them, ils allaient refuser de manger. They would have refused to be eaten. Mais ils savaient que pour les gagner, they knew that to have them, il fallait s'attaquer à une seule personne. They had to be attacking just one person. Écoutez, listen, écoutez, listen. Aujourd'hui, les plus grands combats sont des combats familiaux. Today, the greatest fights are that of families. Tu ne peux pas remporter un combat d'hôtel si tu n'investis pas ta famille à te soutenir dans ce combat. You cannot win a fight of hatters without bringing your family to be invested in this fight. Eve était seule. So Eve was alone. On l'a eu. And she was taken. Mais la grâce que vous avez ce soir, but the grace that you have today, c'est parce que vous n'êtes pas seul ce soir. Because you're not alone today. Vous êtes avec vos enfants ce soir. You are with your children tonight. Vous êtes en couple ce soir. You are in couple. Écoutez, j'aime un verset. Listen, I la like a Bible verse, déclare, and the Bible says, que Dieu va donner à la femme, that God will give to the woman, plus précisément à la postérité de la femme, to the downline of the woman, le pouvoir d'écraser la tête du serpent. To crush the head of the snake. Et il va donner à la postérité du serpent, he will give to the downline of the snake, le pouvoir de pouvoir relever la tête et de mordre le talon de la femme. The power to bite the heel of the lady. Mais j'aimerais vous dire, but I want to tell you, que Dieu est en train d'employer une métaphore. That God was just speaking metaphorically speaking. Pourquoi il va nous donner le pouvoir d'écraser la tête du serpent et il va permettre que le serpent relève sa tête pour nous montrer encore au talent? Why is he going to give us the power to step on the head of the snake and at the same time give the power for the snake to bite the heel? C'est parce que il parlait de deux types de personnes dans cette génération. About two types of person into this generation. Il y aura une génération de ceux-là qui vont venir écraser la tête du serpent. There will be a generation of people just coming to step on the head of the snake. Après, ils vont se lever pour and partir. They'll be standing and moving. Mais il y aura une deuxième génération. There will be a second generation. Ceux-là, lorsqu'ils écrasent, then, when they will be crushed, c'est pas pour que le serpent relève la tête. It is not for the snake to stand up. Mais lorsqu'ils écrasent la tête du serpent, c'est pour tuer le serpent. When they crush the head of the snake, it is to parce kill the snake. Le serpent ne peut que relever la tête. The snake can only stand si back the head. Et seulement si tu ne l'as pas tué. If and only if it was not killed. Ce soir, je décrète et je déclare. Tonight, I declare and I decree. Partout là où tu t'es tenu debout, wherever you're standing, je déclare qu'au nom de Jésus, the name of Jesus, de puissance du serpent ne lèvera plus jamais sa tête. Là où tu peux faire un acte de foi, tu dis je crache. Tu dis je crache, ne t'arrête pas, vas-y. Je sais ta clôture. Mashalika brahisa vost shekla anta handebo shadeka zopraya meshe hene wine wine klede vede klisto fly kalahaza mesh. Wow. Pendant que je suis là, je suis en train de voir dans mon esprit. As I'm standing, I can see in my spirit. Des chaînes sont en train de tomber des bras. Chains are falling from the hands. Je reprends, des chaînes. I can repeat, chains. Des chaînes sont en train de tomber des bras. Chains are falling. Tes mains comme ça par la foi et dire Seigneur, libère mes mains. Libère lift up your mes hand by faith and say, the Lord, free my hands. Fais ce faith, free my hands. Do it with faith.
endormi. Revive. Shenkan topaz. Pray the vahaza. Lekrabos. Bien-aimé. Begotten. De par la famille adamique. From the Adamic family. Tous les hommes sont sortis. All the men came out. Et le même prototype avec Adam. And the same prototype with Adam. Et le même prototype avec nos familles d'aujourd'hui. The same prototype with our families too. De la même manière. By the same way. Qu'il y a eu infiltration d'un serpent dans la famille pour détruire cette famille. That the snake came into the family to destroy the family. C'est de cette même manière qu'aujourd'hui. By the same way that plusieurs today, de nos familles. A lot of our families. Plusieurs de nos nations. A lot of our nations. Plusieurs de couples. A lot of our couples. Commencent à être détruites. Are starting being destroyed. Lorsqu'il y a infiltration d'un corps étranger. When there is a spy. Pendant que je parle ici, when I'm talking, il y a des familles qui passent par des temps assez difficiles. There are families passing through very difficult times. Des familles qui passent par des périodes assez difficiles. Families are passing through very difficult periods. Il y a des personnes ici qui ont déjà même divorcé. There are some persons here who have des personnes just, who qui veulent, still, who have pendant divorced, que je parle divorced. Ici, se suicider. So they would like to commit a suicide. Elles n'ont plus même le courage de vivre. They don't even have courage to be living again. Il y a des personnes qui en ont marre de ce qui se passe dans leur famille. Some people are fed up of what is happening in their family. Il y a des personnes qui sont en train de pleurer sur certaines situations. People are still crying on some situations. Il y a des personnes qui sont désespérées. Some people are desperate. Il y a des familles. There are families. Dans lesquelles à la place du serpent. In which at the place of the snake. C'est la maladie qui s'est infiltrée pour la diviser. Disease came in the family to divide the family. Il y a des familles dans lesquelles à la place du serpent. Families in which the place of the snake. C'est le chômage qui s'est infiltré pour la diviser. It is lack of job coming to divide. Il y a des familles dans lesquelles, à la place du serpent, in which c'est des problèmes sur le plan relationnel qui s'est infiltré pour la renverser. The relationship problem ain't coming to destroy the family. Écoute-moi bien ce soir. Listen to me carefully tonight. Le serpent est là. The snake is there. Mais il y a un jardin dans lequel tu es toujours. There is a garden in which you're still in. C'est dans ce jardin que tu pourras rentrer dans les promesses de Dieu pour toi. In this garden that you can enter in the promise of the Lord. Aujourd'hui, nous parlons des familles. Today we're talking about families. Parce que la majorité des familles aujourd'hui. Because the majority of families today vivent des problèmes bizarres. Are living very strange problems. Vivent des problèmes terribles. They're living very terrible problems. Écoutez, listen. Il a suffi que l'homme ait un manque d'attention. So we just need for a lack of attention for the man. Afin que les esprits de division, de jalousie naissent. For spirit of division and jealousy. La première principauté, the same principality, ou encore la première des choses qui divisent les familles, the first things that are dividing the family, c'est le manque d'attention. It is the lack of attention. Lorsqu'il n'y a plus l'attention dans la famille, when there is a lack of attention in the family, lorsque vous êtes une famille, when you are a family, vous n'êtes plus attentionné des uns envers les autres. You're not paying attention each to others. Vous ne vous souciez plus de l'avenir des autres. You're not caring about the future of each other. C'est ainsi que le diable s'infiltrera et rentrera. Then that the devil will enter and destroy. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre. The Bible is saying in the book of 1 Peter. Le diable rôde autour de vous. Now the devil is turning around. Comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Like a roaring lion finding a person to eat. Parfois le combat du diable dans vos familles. Some of the time the fight of the devil in your family. N'est pas sur tout le monde. It's not about all the persons. Mais est sur un sujet principal appelé qui. It is about a special target. Parce que si on touche le qui. Because if we touch him. On touchera à toute la famille. One person will be touching all the family. Je crois et je pense que tu es le qui de ta famille ce soir. I believe that you are the key person of the family. C'est pourquoi les divisions que tu vois that autour. That is one division that you can see around. Le problème que tu vois autour. The problem that you can see. Les jalousies par lesquelles tu traverses tout. That you pass in le diable veut t'amener dans une position de frustration. The devil would like to bring you into a position of frustration. Afin que tu aies manque d'attention sur ta famille. For you to be expressing a lack of attention. Et là, il pourra profiter à les éliminer. And then he can take time to eliminate. Parce qu'ils savent. Because they know. Que si et seulement si toi tu es là. If and only if you're there. Rien ne pourra se passer. Nothing will be happening. Si et seulement si toi tu es là. And only if you are rien here. Rien ne pourra se passer. Nothing will be happening. Personne ne mourra. Nobody will die. Personne ne sera attaqué. Nobody will be attacked. Parce que toi tu es là. Because you are there. Tu es comme une sentinelle dans ta famille. Like a sentinel in your family. Vous savez. You know what? Avant que Dieu ne m'appelle. Before be called by the Lord. J'ai passé le temps à tomber malade. I was taking my time being sick. Et lorsque je vais accepter le Seigneur. When I'm going to receive the Lord. Dieu va me dire j'ai permis que toutes ces choses t'arrivent à toi. God is going to tell him that I allowed you to sinon, be passing from this thing. Sinon aujourd'hui. Because
If not today, tu devais te retrouver orphelin. You would have been orphan. Parce que si cela passait par des membres de ta famille, because if it was about a member of your family, ils ne devraient jamais résister cela. They could not resist it. J'aimerais parfois dire à quelqu'un, I would like to say to somebody, que parfois les coups durs que tu reçois sur toi, these hard strokes that you receive, n'étaient pas destinés à toi, étaient destinés à quelqu'un qui certainement, par la force de ces coups durs devrait mourir. Mais parce que toi tu as supporté ce coup, cette personne a été épargnée. It was not planned for you, but if a weak person was supposed to receive these strokes, he would have died. But because of you, the person was put apart. Parfois, tous les combats que tu as, some of the time, the fight that you have, toutes les adversités que tu as, this adversity that you can express, ne sont pas forcément les tiens, are not coming from you, are not mais yours. Parce que tu es une porte dans ta famille, because you are a door in your family, parce que toute l'espoir de la famille repose parfois sur because toi, because all the hope of your family is leaning on you, que tu vis tous ces combats, that you live in all these fights. Premièrement, il y avait un manque d'attention. First, we had lack of attention. La Bible déclare. The Bible says, Adam n'avait plus l'attention. Adam didn't express l'attention any attention. Créait la distraction. He was under distraction. Distraction, la destruction, toutes ces choses. Distraction and all the things. Après cela, and after this, il y a un phénomène qui va se passer. There is a phenomenon which is going to happen. J'aimerais que vous ouvrez votre entendement spirituel. I would like you to open up your spiritual hearing. Écoutez. Listen. Le diable, sachant qu'il avait déjà détruit. Devil, knowing that he has already been destroyed. La famille adamique. The Adamic family. C'est-à-dire Adam. It means Adam et Eve. And Eve. Le diable, sachant qu'il avait déjà détruit ces personnes. Devil, knowing that this person was were already destroyed by him. Et qu'il était sous un jugement par Dieu. And knowing that he was under a judgment by God. Il va réfléchir pour voir comment employer une deuxième stratégie. He's going to think to see how to use a second strategy. Le jugement, c'était lequel? What was the judgment? Dieu va dire au serpent. God is going to say to the snake. Plus que toi, tu as détruit la femme et son mari. As you have destroyed the woman and the man. Voici and ce qui t'arrivera. Husband, this is what will happen to you. La postérité qui sortira de cette femme. The downline coming from this woman. Écrasera la tête. Will crush your head. Et le diable a réfléchi. The devil thought. Il a dit comment faire en sorte. He said, how can I do que cette postérité là ne m'écrase pas la tête. That this posterity or that line will not be stepping on me on my head. Parce que son combat. Because the fight of the snake. N'était plus avec Adam et Eve. Was not anymore with Adam and Eve. Il avait déjà gagné Adam et Eve. He has already had Adam and Eve. Son autre combat. His second fight. C'était avec la postérité. With the down line. Parce qu'il s'est seulement dit. Because he said to himself. Et seulement si. If and only oh, if. My God. Je séduis cette postérité. I'm seducing this posterity. Elle n'aura jamais le courage de m'écraser la tête. It will not have the courage to crush my head. Qu'est-ce que le diable va faire? What the devil is going to say? La Bible précise bien. And the Bible is bringing precision. Il y aura deux postérités là. There will be two posterities. Celle-là. That qui écrasera la tête du serpent. The one that will crush the head of the snake. Et la postérité de du serpent qui mordra la postérité de la femme de la postérité de la femme au talon. And the posterity of the snake that will bite the heel of the posterity of the woman. Plus loin en Genèse. So further in la Genesis. La Bible dit. The Bible says que les fils de Dieu. That the sons of God. Venaient sortir. Were coming avec des filles des hommes. To have sexual intercourse. Genèse chapitre 6. The book of Genesis 6. Les fils de Dieu. So the sons of God. Dans des grandes liturgies grecques romaines, on étudie cela. So we can see it in the studies of Roman. Venaient sortir. That they were coming to have sexual intercourse. Les filles des hommes. With the daughters of men. Pourquoi? Why? Pourquoi est-ce que les anges qui étaient au ciel sont venus sortir avec des filles des hommes? Why that angels on the heaven came down to have sexual intercourses with the daughters of men? Pourquoi? Why? C'était le combat des deux postérités. It was the fight of the two posterities. Je reprends. I repeat. C'était le combat des deux postérités. It was the fight of the two downlines. Car, because toute postérité. All down line doit sortir d'une semence. Must come out from a seed.
et ne peut que recevoir une semence, and the one who can receive a seed, c'est là qui a la capacité de mettre au monde, is the one having the capacity to give birth. C'est pourquoi qu'est-ce que le diable va faire après avoir détruit Adam et Ève? That is why what the devil is going to do after destroying Adam and Eve. Il va se mettre à poursuivre la postérité. He's going to run after the downline. Parce que lorsque les anges la descendaient, because when the angels were coming down, et sortaient avec les femmes, and having sexual intercourse with women, ces femmes-là étaient porteurs de semences diaboliques. Women were bearing devilish seeds. Les femmes qui tombaient enceintes là, these women that were pregnant, enfanter les enfants qu'on appelle aujourd'hui des Goliaths. We're giving birth to children that we call giants. C'est-à-dire que les enfants étaient inhumains. C'était des enfants bizarres. They were very strange, these children. Et lorsque les Goliaths la mouraient, when these Goliaths died, ils allaient dans les enfers et devenaient des démons. D'où l'origine des démons. Moving in the hell and becoming demons. Where are the origin of demons? C'est qui un démon? Who? Un démon était un Goliath après sa mort. A demon is a Goliath after his death. C'est qui un Goliath? Who's a Goliath? Un Goliath est un esprit issu d'une semence diabolique. A Goliath is a spirit coming out from a devilish seed. Et lorsque le diable va permettre que ces anges-là sortent avec les femmes, and when the devil will allow this angel to have sexual intercourse with les women, femmes vont aussi enfanter. They are going to give birth. Il va avoir le prolongement de plusieurs personnes. There will be the line of a lot of people. Et ce qui va faire en sorte, and that is going to do, qu'il va avoir deux postérités jusqu'à aujourd'hui. Now there will be two down lines up today. Une postérité issue du serpent. The first posterity coming out from the womb of the snake. Et une deuxième postérité issue de l'homme. And the second posterity coming from man. Mais le diable va venir détruire la postérité issue de l'homme. But the devil is going to destroy the down line coming from man. En venant injecter sa semence dans l'homme. By injecting his seed on the man. C'est pourquoi lorsqu'on revient au jardin, that is why when we come back to the garden, les premiers enfants d'Adam et Ève étaient à deux. So the first children of Adam and Eve. Il y avait Caïn et il y avait Abel. Cain and Abel. La Bible déclare que Caïn a tué son frère Abel. That Cain killed his brother Abel. La question qu'on doit tous se poser. So the question that we have to ask to ourselves. Où est-ce que Caïn a eu la connaissance du mal? Of that Cain had this knowledge of evil. Comment est-ce que Caïn a su qu'en prenant une pierre, je vais damer sur mon frère là, le corps là ne doit plus vivre, il ne doit plus se tenir debout. Où est-ce qu'il a eu cette connaissance? Oh, did he know that if I'm taking a stone and putting it on the head of c'est my brother? C'est parce qu'il avait en lui la semence du serpent. He had the seed of the snake. Je décrète et je déclare. I decree and I decree. À partir de ce soir, from tonight, toutes les personnes porteurs de semences de serpent dans ta famille. J'aime quand je prêche, quelqu'un se tient debout et dit je reçois cela. Henda Janda Mejahunta Madaya Kebrahina Bahasa. C'est parce que Caïn était habité par la semence du serpent. Because Caïn was under had the seed of the snake. Et dans la semence. And in this seed. La semence c'est quoi? La semence c'est le sang. What is the seed? The seed is blood. Du point de vue biologique. Biologically speaking. Lorsqu'on parle de la semence d'un homme. When we talking about the seed of a man. On parle de quoi? On parle de son spermatozoïde. We talking about the sperm. Mais le spermatozoïde, la sueur, tout cela, ce sont les dérivés du sang. And sweating are coming out from blood. Et vous savez que le sang est spirituel et en même temps physique. You know that your blood is spiritual and physical at the same pourquoi time. Parce que le sang porte des informations. Because blood is bearing information. Le sang là, ça porte les informations. Blood is bearing information. Il y a des familles dans lesquelles comme ça, families in which le grand-père a souffert du diabète. The grandfather was suffering from diabetes. Les informations du diabète là va couler dans le sang des petits-fils jusqu'au dernier petit-fils. Information of diabetes we grew into the sons and grandsons. Et vu que dans le sang du serpent, that we find in dans the, la semence the blood du serpent, of the snake and the seed of il y avait the snake, déjà la connaissance du mal. We have this knowledge of evil. Caïn va être porteur de cette connaissance. Caïn is going to be a bearer of c'est his pourquoi knowledge. Il va aller tuer going to kill son frère appelé Abel. His own brother called Abel. Beaucoup de personnes sont mortes dans vos familles. A lot of person died in your family. Pas parce qu'elles étaient arrivées au temps de Dieu. Not because they reached the time of God. Mais beaucoup de ceux qui sont mortes. Sont morts parce qu'il y a eu des personnes animées de mauvaises semences. Because some people came with bad seeds.
Est-ce que tu peux penser un seul instant can you think one moment? À des personnes qui se sont arrêtées jusqu'aujourd'hui, who were stopped up today. À des personnes qui ont été éliminées jusqu'aujourd'hui. Were eliminated. C'est parce qu'il y a eu des personnes porteurs de mauvaises semences. Some people came with bad seeds. Et aujourd'hui, ce qui divise des familles, what is dividing the family today? C'est un problème de semences. A problem of seeds. Vous n'arrivez pas à vous entendre. You cannot match. Vous n'arrivez pas à conjuguer le même verre. You cannot get alone. Pourquoi? Parce qu'il y a des semences différentes. Because there are different seeds. Le serpent ne peut pas comprendre l'homme. The snake cannot understand les deux man. Sont le jour et la nuit. They are both different days c'est and pourquoi night. Il n'y aura jamais amitié. That is why they will not Dieu be est clairement venu dire il y aura inimitié. God said that there will be hostility. Je crois en l'unité familiale. I believe in family unity. Mais une chose est sûre. But something is true. Le serpent n'acceptera jamais de cohabiter à côté du feu. The snake will not be with si toi tu es un feu, if you are a fire, c'est pas évident que celui-là qui a une deuxième nature puisse être ami avec toi. Will be friend with you. C'est pourquoi dans ce programme, why in this program, l'Esprit de Dieu m'a dit de te dire the Spirit of God sent me to tell que les voiles vont être démasquées, les visages vont être démasqués. Ceux qui ont longtemps porté la semence du serpent afin de détruire des personnes, ces personnes-là seront détruites au nom de Jésus. Car la colère de Dieu passera sur eux. La colère de Dieu passera sur eux. Deuxièmement, après le manque d'attention, ce qui a mené la destruction de la famille adamique, c'est le problème de jalousie. J'aimerais que là où tu es, tu puisses dire jalousie. Le premier crime rituel qui s'est passé dans la Bible, c'est le crime rituel caïnique. Caïn a tué son frère. Caïn killed his brother. Par quoi? By what? Par jalousie. By jealousy. Écoutez-moi. Listen. Derrière la jalousie, behind jealousy, se cache la haine. Is hidden hatred. Derrière la haine, behind hatred, se cache le crime. Hidden crime. Écoute. Listen. L'ennemi ne peut pas t'attaquer. The enemy cannot attack you. Si au préalable il est jaloux de toi. If before he's not jealous from you. Il y a des personnes qui sont là. There are some people who are there. Il y a tellement de gens qui sont jaloux de vous. A lot of people are very jealous. Il y a des personnes que vous les voyez ici. Some of people that you can see here. Et elles ont fait des voyages. They traveled. Elles étaient ici en Afrique. They were in Africa. Elles sont allées en Europe. They went in Europe. En allant en Europe, elles pensaient que tout devait s'arrêter là. By moving to Europe, they thought that everything was going to be stopped there. Du Congo, de la Côte d'Ivoire jusqu'en dans les pays européens. In order to travel from Gabon, Congo, Ivory Coast into European countries, you need. Il faut un passeport. To have a passport. Qui te permet de passer dans les différents états. That will allow you to pass through different borders and mais different écoute, states. Ton problème n'a pas besoin de passeport pour te poursuivre là your où tu es. Your problem doesn't need any passport to go to chase you. Le problème est la seule chose qui n'a pas besoin de passeport pour te poursuivre. The problem is the only thing that doesn't need any passport to run after you. Depuis que toi tu es allé en Europe. Since you've been moving to Europe, toi, tu rêves toujours, tu te retrouves ici au Gabon. You're still dreaming ici? That you are here in Gabon. What tu are you doing toujours in Gabon? Les mêmes problèmes. You still have the same ta problem. Vie n'avance pas. Your life is not moving y a des ahead. Problèmes sur problèmes. You have problem over problem. Échec sur échec. Failure after tu penses failure. Que c'est quelque chose de naturel? You believe that it is a c'est natural pas thing. Naturel. It is not natural. C'est spirituel. It is a spiritual thing. J'ai prié pour une dame il y a de cela un mois en arrière. I prayed for a woman 1 year, 1 month before. La dame c'est une Française d'origine. From France. Elle était en France, elle a quitté la France, elle allait dans un pays africain, ceux qui ont colonisé les Congolais, les Belges. She was in France and she moved to Belgium. Elle allait en Belgique. She went in Belgium. Elle a dit prophète, j'ai dû fuir là-bas pour aller en Belgique and she said, parce que je pensais que mes problèmes devaient s'arrêter. I had to go to Belgium because I believed that my problem was supposed lorsqu'elle to be stopped. Lorsqu'elle allait, elle a constaté que les problèmes n'ont fait que s'empirer. And when she went, she noticed that problems were becoming worse. Problème sur problème. Problem after problem. Problème sur problème. Problem after problem. Et lorsque je vais rentrer dans la révélation, when I'm going to move into revelation, je vais lui dire ceci. I'm going to tell her this. Madame,
Mom, ton problème est dû à ça, 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 ça. Problem is because of this, 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 this aspect. Elle a pleuré. And she cried. Elle disait, prophète, je pensais que c'était des choses naturelles. She said, prophet, I was thinking that it was natural things. Donc nous aussi on est là, on est aussi poursuivis, même les blancs. So we too, as white people, we are seen living the same things. Blancs, il y a pas un évangile pour les noirs. There is no gospel for black men or white men. C'est vrai, nous sommes dans des états et on n'a pas les mêmes réalités. We are in different sets. Yes, we are not living the same reality. Mais le diable reste le diable. Il y a pas un diable blanc, il y a pas un diable noir. Now the devil remain the devil is not black or white. Le même diable white. Qui attaquait Adam, c'est le même diable qui attaque le monde jusqu'aujourd'hui. The devil that attacked Adam is the same devil that attacks the world today. C'est pourquoi la deuxième chose, that is why the second par laquelle thing, le diable passe pour détruire des familles, by which the devil is using to destroy families, c'est la jalousie. Is jealousy. J'ai prié pour un monsieur au Gabon. I prayed for a man in Gabon. Le monsieur a eu la grâce d'aller à l'école. This man had the grace to be studying. Il a fini ses études jusqu'à avoir le doctorat. He ended his studies up to having the PhD. Lorsqu'il arrive ici dans son pays, when he's coming back in his country, il va recevoir une invitation quelque part. He's going to receive an invitation somewhere. Cet homme était même promu travailler dans le gouvernement this du pays. He was supposed to be working in the government of the country. En allant à cet endroit, by going to this meeting, c'est l'une de cet homme qui va l'inviter. It's one of his hunt that invited him. Lorsqu'il va manger, when he's going to eat, il ne savait pas qu'il était victime d'un empoisonnement. He didn't know that he was being empoisoned. Je vais prier pour cet homme, il était sur le lit de l'hôpital. I'm going to pray for this man, he was on the hospital bed. J'ai prié pour lui. I prayed for him. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? And I said, sir, what is happening? Il dit, prophète, je ne sais pas ce qui se passe. He said, prophet, I don't know what is happening. J'ai intercédé et trois jours après, I have been praying and 3 days after, la tante est allée au chevet de son lit à l'hôpital. The aunt went to the hospital. Et cette tante lui a dit ceci. And the aunt said, tu te retrouves là à cause de moi. That you are here because of me. Parce que lorsque tu as eu tes diplômes, ça m'a tellement fait mal au cœur. Because when you had all your diplomas, I was suffering a lot. Que je me suis dit, mes enfants n'ont pas réussi. And I said that all my children did not pourquoi were not successful. C'est lui qui doit réussir. Why this man is going to be successful? Et j'étais empoisonné avec une potion diabolique. And I give you a poison through by using a lorsqu'elle a dit ça à son thing, neveu, when she said it to her nephew, le neveu est mort sur place. The nephew died on the spot. Aujourd'hui, notamment en Afrique, il y a des jalousies qui n'ont plus de sens. Today, namely in Africa, we have nonsense jealousy. Il suffit que tu construises une maison, jalousie. You just need to build a house, jealousy. Tu as gagné l'emploi, jalousie. You have a job, jealousy. Tu as telle opportunité, jalousie. You have this opportunity, jealousy. Et c'est même l'une des choses one of the things qui bloque le développement de l'Afrique. That is keeping the development of c'est Africa. Pas seulement un problème économique. It is not an economic problem. L'Afrique est tellement riche. Africa is very blessed. Mais qu'est-ce qui bloque ce problème de jalousie? But it's a problem of jealousy. Lorsque l'autre veut réussir, on fait tout pour diminuer l'autre. When the other one would like to be successful, we do everything to on fait tout pour chercher à salir l'autre. We do everything to spoil him. Oh, c'est pourquoi on n'avance pas. That is why we don't move far away. Jalousie. Jealousy. Jalousie. Jealousy. Et beaucoup de familles and a lot of families sont victimes de ça. Are victim of this thing. Des trahisons. Of betraying. Des jalousies. Jealousy. J'aimerais terminer mon message par là. I would like to end up my message by saying this. Écoutez-moi. Listen. Dieu a un plan merveilleux avec vous. God has got a very wonderful plan with Dieu you. Dieu veut faire des choses extraordinaires avec vous. God would like to be doing extraordinary things with you. Nous allons nous arrêter dans ces deux points de ce soir. We are going to be stopped on these two points of tonight. Sur le manque d'attention, on the lack of attention, et sur la jalousie, and jealousy. Pour tout simplement dire, to say simply, que le programme qui nous unit ici, that the program that is governing us today, est un programme qui doit consister à dépouiller les œuvres des ténèbres. It is a program that will allow us to dismantle the works of the devilish of devil. Dieu n'a jamais été que pour le sorcier que le sorcier meure. God was not didn't want the sorcerer to die. Même pour le plus mauvais. Even for let's say the bad person. Dieu veut toujours l'amener à la repentance. God would like to bring them to repentance. Les problèmes dont vous êtes victime aujourd'hui. The problem that you live in today. Les problèmes dont vous êtes victime aujourd'hui sont les conséquences de ce que vos prédécesseurs ont eu à commettre comme erreur. Of what your predecessors did as mistakes. C'est pourquoi ce soir, that is why tonight, j'ai reçu des instructions fermes du Seigneur. I receive close instructions from the Lord. Nous devons prier. We have to pray. Je répète, nous devons vraiment prier. I repeat, we have to pray.
Je réponds, nous devons vraiment prier pour nos familles. I repeat again, we have to pray for our families. Les familles sont divisées. Families are divided. Les familles sont détruites. Families are destroyed. Les familles sont livrées à elles-mêmes. Families are given to themselves. Les familles passent par des dépressions. Families are passing through depression. Passent par des échecs. Through failures. Passent par des malheurs répétés. Through hard luck, repeated hard luck. Tout ça à cause de quoi? Because of what? Une faute commise depuis la nuit des temps dans le jardin d'Éden. A mistake done from the beginning of the even Eve garden. Nos familles ont besoin de Dieu. Our families need for God. Je reprends, nos familles ont besoin de Dieu. Our families need for God. Pendant que je parle, mon cœur pleure. When I'm talking, my heart is crying. Parce que je peux sentir la douleur des familles. Because I can feel this pain from the families. La douleur de ce que les gens vivent. This pain of what the families are living. Je peux ressentir cela de là où je suis. I can feel it from where I am. C'est tellement dur. It is so hard. C'est tellement difficile. It is so difficult. Tout le thème. Whereas the theme. Je veux la libération de ma famille. I want the liberation of my family. Ça ne peut plus durer comme ça. It cannot keep going like this. Je veux la libération. I want liberation de ma famille. Of my family. Écoute. Listen. C'est pourquoi. That is why. Dieu voyant que les familles adamiques avaient péché. God seeing that the Adamic family sinned. Était touché. And was touched. De par la semence diabolique. From the devilish seed. Dieu va envoyer un second Adam. God is going to send a second Adam. Appelé Jésus Christ de Nazareth. Called Jesus Christ the Nazarene. Lorsqu'il va aller à la croix, when he's going to go to the cross, il allait avec le fardeau de ta famille. He went with the burden of your family. Lorsqu'il allait à la croix, when he went to the cross, il allait avec la dépression de ta famille. He went with the depression of your family. Avec la maladie répétitive de ta famille. With the repetitive family disease of your family. Lorsqu'il allait à la croix, when he went to the cross, il allait avec le fardeau de ta famille. He went with the burden of your family. Il est mort. He died. Et le troisième jour, il est ressuscité. And the third day, he resurrected. Et de par son sang, and by his blood, qui a coulé sur la terre, that was powered Jésus from the Christ cross, de Nazareth, Jesus Christ in Nazareth, nous a restauré, restored you, et nous a libéré, and freed us. La seule personne qui peut libérer ta famille ce soir, only person able to free your family tonight, s'appelle Jésus Christ de Nazareth. He's called Jesus Christ the Nazarene. Écoutez, je connais ce Dieu. Listen, I know this God. Vous savez, you know, la libération n'est pas un désir. Freedom is not only a desire. Tu peux désirer être libéré. You can desire to be free. Mais sans pourtant être libéré. But without being freed. Mais la libération, but freedom est une action. Is an action. Détermination, of determination, qui doit venir par la prise de conscience d'une femme ou d'un homme. That must come from your awareness of a man or si of a tu woman, n'es pas déterminé à être libéré, if you are not determined to be free, tu pourras le
n'est pas là pour négocier. Yes, lorsqu'un prophète initie un programme, amen, il initie ce programme avec l'initiateur. Amen. L'initiateur, c'est Dieu qui l'a révélé, ce programme. Amen. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu me disait qu'annonce aux familles, toutes les familles, peu importe leurs problèmes, peu importe leurs soucis, amen, peu importe leurs difficultés, amen. Wow. Au sortir de ces 5 jours de programme, amen, vous allez appeler pour témoigner de partout où vous êtes. Je me connecte. On ne doit pas seulement prophétiser pour dire je vois la maison est blanche comme ci, comme ça. Amen. Depuis qu'on voit ta maison, rien n'a changé. Amen. Non seulement on va voir la maison, on va voir tes problèmes. Yes, sir. Mais on va aussi détruire ces problèmes-là dans ta vie. Amen. Je suis ici avec mon équipe pour prier pour toi. Yes, sir. Là où tu es, par la puissance du nom de Jésus. Amen. À cause de la mort et la résurrection de Jésus. Oh, yes. J'annonce que tu as retrouvé la libération de ta famille ce amen. Soir. C'est quelqu'un qui a dit amen. Amen. J'ai dit tu as retrouvé la délivrance de ta famille ce soir. Amen. C'est pourquoi dans la détermination, il y a une manière de prier. Amen. Il y a une manière d'être révolté. Yes. Écoute, la Bible déclare que le diable ne comprend que le langage de la violence. Amen, papa. Hein? Amen. Le diable ne comprend que le langage de la violence. Amen. Ce n'est pas le langage de la douceur. Tu ne dois pas caresser le diable. Yes. Tu dois aller avec autorité. C'est pourquoi la Bible déclare, il nous a donné le pouvoir. Dans d'autres versions, il nous a donné autorité. Amen. De marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Amen. Mais toi, le problème, c'est que dans ta détermination, même pour prier, tu es là, tu pries, tu prends les hamburgers, tu dis, Seigneur, mon problème là, ça m'embête, ça me dérange. Écoute, le diable, il est en train de rire. Yes. Est-ce que quand le diable travaille contre toi, il mange des hamburgers? Jamais, papa. Donc, il y a une manière de prier. Il faut que tu sois déterminé. Amen. Il faut que tu aies une certaine foi. Amen. Là où vous êtes, nous allons nous mettre en prière. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut se tenir debout. Merci. My God. Ce soir, nous voulons voir des personnes qui ont été déterminées. Tonight we want to see people who are determined. Vous avez entendu ce message. You have heard this message. Et vous êtes plus que déterminé. And you are more than determined à pouvoir prier. To be praying. Nous allons prier ce soir. We are going to pray tonight. Avec des familles. With families. Si vous avez vos enfants, if you have your children, vous allez faire appel à vos enfants. You are going to call your children. Nous allons prier. We are going to pray. Nous allons prier. We are going to pray. Premièrement, vous allez recommander votre famille à Dieu. First, you recommend your family to the Lord. Et tous les problèmes qui miment votre famille. And all the problems that your family is facing. Tous les problèmes que vous retrouvez au sein de votre famille. All the problems that you can find in your families. Nous allons prier dans ce cadre. We are going to pray in this pendant qu'on va prier, as we will be praying, il y a des personnes qui vont pleurer. People will be crying. Tellement, écoute. Listen. Ta tristesse, your sadness, ne changera pas la vie du diable. We à not ton égard. Change what the devil is thinking about you. Le diable n'est pas sentimental. The devil is not expressing any feeling. Lui, il n'a rien à y voir avec ta tristesse. He doesn't have anything with your sadness. Que tu sois triste ou pas, c'est pas son problème. Rather you are sad or not, this is not his problem. C'est pourquoi ce programme là, c'est pas pour les gens qui pleurent. Vous avez déjà pleuré. This problem is not for people. Non, c'est le crying. Temps de vous lever avec la détermination pour changer les choses. It is for you the time to stand up with determination to change things. Cette fois-ci, he's saying this time, il faut que les choses changent. Things must change. Parce que nous avons un grand Dieu. Because we have a great God. Vous allez prier. You are going to pray avec l'évangéliste Watt. With the evangelist, il va prier avec vous. He's going to pray with you. Nous allons prier avec des familles. We will be praying with families. Et nous croyons que des grandes choses vont se passer. And we believe that great things will be happening. Et partout où vous êtes, wherever you are, vous allez tenir vos mains au ciel. You lift up your hands to the heaven. Et répétez d'abord cette prière après moi. And repeat this prayer after me. Et après, je vais vous laisser dans les sujets des prières. Then I will be leaving you with the subject of your prayers. Vous pouvez dire après moi, Dieu Père, je viens au nom de ton fils Jésus.
que je suis, avec le fardeau de ma famille. Seigneur, tu m'as conçu afin que je sois un instrument pour sauver ma famille. C'est pourquoi je te recommande ma famille, tous les membres de ma famille. Seigneur, tu nous connais tous. Tu nous connais tous. Même jusqu'au dernier. Même celui qui vient de naître. Tu nous connais tous. Seigneur, souviens-toi. Je viens à toi parce que je suis touché. J'en ai marre de cette situation. Mais je vais faire quelque chose ce soir qui est la plus grande des choses. C'est de te recevoir dans ma vie. Jésus, ma famille te reçoit. Nous te recevons dans notre famille. Même là où il y a des incrédules, même où des personnes sont incrédules, où des personnes ne croient pas, nous te recevons dans nos cœurs, dans notre vie, au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur, je déclare, celui qui confessera ton nom sera sauvé. Je prie pour toutes les familles, car nous ne pouvons pas commencer une action de prière comme celle-ci, Seigneur, sans pourtant te recevoir dans nos vies. Seigneur, la première famille adamique a échoué. C'est pourquoi tu as envoyé ton fils Jésus-Christ comme étant la seconde famille qui est venue nous restaurer de par son sang qui a coulé. C'est pourquoi ce soir nous voulons recevoir le Père dans nos vies. Nous voulons l'accepter dans nos familles. Nous voulons être un avec lui. Nous prions. Afin que toutes les personnes dans notre famille qui n'ont pas connu ce nom jusqu'à aujourd'hui, à cet instant, reçoivent ce nom dans leur cœur, de partout dans le monde où elles se trouvent. Seigneur, il y a des personnes ici qui font face à une persécution parce qu'elles veulent à tout prix que les membres de leur famille se convertissent et acceptent ton nom. Mais cependant, elles sont criblées injustement. Je prie que toutes ces personnes reçoivent ton nom dans leur cœur. Merci Seigneur pour nos familles. Je t'ai béni. Je te donne toute la gloire parce qu'elles viennent de t'accepter et nous disons amen. Amen. Que Dieu soit béni. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier ce soir avec l'évangéliste Wad pendant quelques minutes. Là où vous êtes, passez le temps dans la prière. Et je crois que l'Esprit de Dieu va parler, l'Esprit de Dieu va nous dire des si, si grandes choses. Merci. Que Dieu te bénisse. We are going to pray with the evangelist Ward. So I believe that the Spirit of God is going to say a lot of things. Thank you. May God bless you. Priez premièrement pour recommander à Dieu les soucis de nos familles, les problèmes de nos familles, toutes les situations difficiles. Nous allons les remettre entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse. We merci. Pray for your problem, so you give it to the hands of the Lord. May God bless you. Merci, prophète. Merci encore pour ce grand privilège, prophète Emmanuel Zuma. Merci, Daddy. Nous sommes très reconnaissants pour la présence de Dieu qui est là au milieu de nous. Alors, partout où tu es, tu nous regardes sur Facebook, nous vous prions de partager ce live afin que la grâce de Dieu soit également votre partage. Alors, vous êtes là connecté ce soir sur le grand programme intitulé « Que Dieu localise et délivre ma famille ». Alors, de là où tu es, tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas demander à Dieu de localiser ta famille, de localiser les soucis de ta famille. Après ce grand message venant du prophète Emmanuel Zuma, élève ta voix et commence à recommander ta famille ce soir. Dis à Dieu de venir toucher ta famille, de venir localiser ta famille ce soir. Élève ta voix partout de là où tu es, de là où tu nous regardes. Élève ta voix et commence à prier pour ta famille. Élève ta voix et commence à prier pour ta famille. Redebo Shata, Liso Fatali Gabos, Redebo Shata. Je déclare ce soir, je prie ce soir pour ma famille, je prie ce soir pour toutes les familles connectées ici. Je déclare sur cette atmosphère, quel que soit ce que le diable avait déclaré, quel que
soit la sémence du serpent. Ce soir, je me tiens comme sentinelle et je viens prier pour toutes les familles ici présentes. Je déclare en ma qualité de serviteur, en ma qualité de fils de prophète, je viens prophétiser pour toutes les familles qui sont connectées à ce programme. Partout où tu nous regardes, partout où tu nous suis ce soir, je déclare au nom de Jésus, quel que soit le somme du diable dans ta famille, quelle que soit l'origine des problèmes de ta famille, je me tiens ce soir et je déclare by fire, by blows, ces problèmes s'arrêtent au nom de Jésus. Je ne sais pas de là où tu me regardes, mais ce soir, c'est ce soir, je déclare au nom de Jésus, quel que soit le nombre de problèmes, quelles que soient les listes établies, ce soir, je me tiens comme fils et prophète et j'annonce maintenant la libération de ta famille. Tu t'es connecté quelque part. Je déclare ce soir, partout où tu nous regardes, partout où tu nous suis, je ne sais pas combien de temps ça fait, je ne sais pas le nombre de problèmes que vous avez, mais je t'annonce ce soir, aussi vrai Dieu est Dieu, ce problème s'arrête au nom de Jésus. By fire, by fire, by fire, by fire, by fire, 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 fire. Les protos en fatalités. Alors tu vas encore élever ta voix ce soir. On nous a parlé de la sémence du serpent. Je ne sais pas par quelle manière la sémence est rentrée. Je ne sais pas qui est à l'origine de cette sémence dans ta famille. Cette sémence de la sorcellerie, cette sémence de la jalousie, de la haine. Les familles n'arrivent pas à être ensemble. Voici la fin d'année. Beaucoup de familles actuellement, c'est la division, c'est le mépris. L'enfant d'autrui est reçu à l'école. Ça te fait mal. Tu as mal à l'intérieur de toi. C'est le sème de la sémence de la sorcellerie. Ce soir, tu vas détruire toute sémence de jalousie à l'intérieur de toi. Dans ta famille, les gens n'arrivent plus à se parler. La petite soeur n'a plus de cohésion avec la grande soeur. C'est l'œuvre de la sémence du serpent. Je ne sais pas qui a introduit cela, mais ce soir, Dieu sentinelle, tu vas détruire toute forme de sémence satanique. Les sémences de sorcellerie, les sémences de haine, les sémences de jalousie. Alors de là où tu nous regardes, alors que tu partages également cela, je déclare maintenant que la sémence du serpent s'arrête. Élève ta voix et commence à détruire les sémences du diable à l'intérieur de toi. Détruis les sémences des maris de nuit, les sémences des esprits incubes, les sémences de toute personne qui a porté la jalousie dans ta vie. Élève ta voix, mets le feu, mets le feu. Rebobobo chata, ikende le braigato, sante, laisse en fata, maradabobobo chata. Je déclare maintenant paix sur toutes ces familles qui nous regardent. Je déclare que quel que soit là où la sémence du serpent s'est posée, là où la sémence du diable, la sémence de la jalousie, la sémence des querelles, je ne sais pas de là où ça provient, mais je me tiens ce soir et j'annonce au nom de Jésus, là où la sémence du mal, là où la sémence du diable et de la jalousie s'est incarnée pour diviser les familles, les familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette sémence se brûle, au nom de Jésus, by fire, by boot, je commande maintenant, là où la sorcellerie était, là où la jalousie était, là où la haine était, là où les querelles étaient, dans toutes ces familles ici présentes, je suis en train de déclarer au nom de Jésus, que cela s'arrête par la puissance du nom de Jésus. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé, je ne sais pas de quelle famille tu proviens, mais ce soir je me tiens ici et j'annonce que la sémence du serpent s'est consumée au nom de Jésus. La sémence du thank you.
Jésus, pour la famille de Abiam Léa, pour la famille de Elsa Camille, pour la famille de Tassiana Begna, pour la, la famille de Matu Tungu, la famille de Blandine Gans, pour la famille de Farel Bandinga, pour la famille de Nathalie, pour la famille de Juanita Fina, pour la famille de Fanny Jusset, pour la famille de Lorraine Otunga, pour la famille de Kaya Agnès, pour la famille de Karine Doris, pour la famille de Salimata Mabiela, pour la famille de Haute Benti, pour la famille de Merlin Tienki, pour la famille de Perlis, pour la famille de Fabre Péchi, pour la famille de Bliss Peritelli, pour la famille de Yao Kafui, pour la famille de Gigi Moussunda, pour la famille de Valérie Ankaï, pour la famille de Mokam, pour la famille de Dominique Mbou, pour la famille de Bella, pour la famille de Elsa, pour la famille de Haute, pour la famille de Mangaga Lista, pour la famille de Olimbo Francine, pour la famille de Bligori Kames, Radabo Chatale Palace Obregado, Ikenele Palace Fata, Ikarabo Chata, viens détruire, détruis maintenant, Robobobo Chata, détruis toutes semences, détruis toutes semences que le diable a déposées, que le diable a laissées dans ta famille. Élève ta voix, prie comme une personne ce soir, prie comme une femme qui était mandatée par Dieu, prie comme un homme qui était mandaté par Dieu pour arrêter toute semence satanique. Prie ce soir pour la libération de ta famille. Quelqu'un d'autre ne pourra pas prier à ta place. C'est toi que Dieu a choisi. Je prie pour la famille de Lorine. Blessing au nom de Jésus. Redebo Chatali Palazzo Braigados. Ekendele Palazzo Braidos Chatali. Alléluia. Tu vas élever ta voix rapidement. Tu vas prier également ce soir. Tu vas prier contre tout esprit de division. La Bible déclare en Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger, détruire, tuer. Votre famille vivait l'amour. Votre famille vivait la cohésion sociale. Mais à un moment donné, tout a chamboulé. À un moment donné, le frère passe, la soeur passe. Il y a eu la division quelque part. Et la Bible déclare, ce n'est que le voleur qui vient avec ce genre de choses. Il est venu voler quoi? La paix qu'il y avait à l'intérieur de votre famille. Il est venu voler quoi? La cohésion qu'il y avait au sein de votre famille. Mais ce soir, tu vas élever ta voix. Tu vas récupérer la paix qu'il y avait dans la famille. La Bible déclare, d'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? D'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? Cela ne vient pas de Dieu. Cela vient du terreau père. C'est la raison pour laquelle tu vas te tenir comme sentinelle afin de ramener la paix au sein de ta famille. Je ne sais pas qui a suivi, je ne sais pas qui a partagé, mais je déclare ce soir, pendant que tu élèves ta voix de là où tu es, tu commences à battre les mains, tu ramènes la paix dans ta famille et tu chasses tout esprit de division, chasse tout esprit de division et ramène la paix, ramène la paix, ramène la paix. Élève ta voix de là où tu es, ramène la paix, la paix, la paix. Rebo Chata, Ikelebo Chatande, les Obraïgados, Ikelele Palasofata, Rebo Chata. Je libère une atmosphère de paix. Je déclare au nom de Jésus, sur toutes les familles connectées, là où la division régnait désormais, le règne de la division s'arrête. Je ramène la paix, je ramène la cohésion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es partout, tu me regardes, tu commences à élever ta voix, commence à prier, battez-le fortement, rappelle la paix, rappelle la paix, rappelle la cohésion, rappelle l'amour qu'il y avait dans votre famille. Ma soprano, Santander, Lisso Fata. Les familles commencent à être affectées ce soir. Les familles commencent à être affectées ce soir. La division est quittée. La division quitte maintenant. La division quitte maintenant. Elle quitte la famille Kelita, la famille Etan, la famille Victor, la famille Prestige Chloé, Rebochata. Au nom de Jésus, la famille de Inos Inana, la famille de Sophie, la famille de Léonie Ramba, la famille de Christophe, la famille de Marie-Jean Toumba, la famille de Teresa Tsam, alors que tu es en train de prier, les ondes de division libèrent ta famille. Les ondes de l'hypocrisie quittent ta famille. La paix revient au nom de Jésus. Tu étais en préparation de divorce. Tu étais en préparation de quitter ton mari. Je déclare au nom de Jésus, quel que soit l'esprit qui a mené les disputes dans vos prisons, la paix de Dieu commence à revenir. Au nom de Jésus-Christ, le règne du diable dans ta famille.
famille s'arrête. En ce 11e mois, nous sommes en train d'annoncer pour ta famille la libération totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas qui est en train de prier pour sa famille, mais je peux déclarer ce soir, sur cette atmosphère, que la paix vient de rentrer dans ta famille. Je ne sais pas par quel trouble vous passez, je ne sais pas par quelle inquiétude vous passez, mais la paix de Dieu vient de tomber sur votre maison. Redeposhata, ikede le palaso fatalikados, ireboshata li palaso fatade, ikereboshata les obraigados sante, ikereboshata. Je prie pour la famille de Ben Godofo, je prie pour la famille de Bilia, je prie pour la famille de Liviela, je prie pour la famille de Mirnafou, je prie pour la famille de Rachel Pika, je prie pour la famille de Manima Priska, je prie pour la famille de Chantou Machantou, je prie pour la famille de Yao Kofi, je prie pour la famille de Pilo Fortisos, je prie pour la famille de Rebecca Matou, je prie pour la famille de Jeanne Janine, je prie pour la famille de Madame Bissala, je prie pour la famille de Mengenossi, je prie pour Amadou Sinia, je prie pour Prisma Penda, je prie pour Lorraine Membo, je prie pour Boise Canonique, je prie pour Clarisse Ndamba, je prie pour Tania Emale, je prie pour Marie-Christiano Rebo, je prie pour Carmen Chouakero, je prie pour Prince Enfant, je prie pour Samantha Ancas, je prie pour la famille Retoya, quel que soit là où le diable avait déjà envoyé la division dans vos couples, avait envoyé la division dans vos familles. Nous nous tenons ce soir comme fils de prophètes et nous prophétisons la paix pour votre maison. La Bible déclare, celui qui reçoit un serviteur en sa qualité, reçoit également en sa qualité. Je déclare sur ta famille ce soir, sous l'onction, le mandat du prophète Emmanuel Tsoma, je le déclare au nom de Jésus. Là où il y avait l'instabilité, là où il y avait le trouble, au nom de Jésus, je déclare que ça partit de la mer agitée, qu'on puisse reconnaître la qualité du bois que tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit sur ta famille, mais je me tiens ce soir en ma qualité, je le déclare également que la vie de Dieu vient de traverser toutes les familles. La libération de Dieu vient de s'afficher sur toutes ces familles. Je ne sais pas de là où tu me regardes, mais je suis rassuré dans mon esprit. Alors que je me tiens en ces lieux, je le déclare sur ta famille. Tu t'es connecté, reçois cela. Tu t'es connecté, reçois cela. Rêve de beau chata. Tu vas élever ta voix. Ma beau chata. Mauvaise semence dans la famille des Atta qui a détruit sa famille. Bien aimés frères et sœurs, la Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je ne sais pas la semence que le diable a déposée dans ta famille actuellement. Conformément à ce que Dieu a prêché, conformément à ce que le prophète a dit, je me tiens sur cette parole pour te dire ce soir, pour te faire prier encore ce soir. Le diable a dit quelque chose sur toi, mais la bonne nouvelle que je t'annonce ce soir, c'est qu'il y a toujours un puits. Dieu dit, et quel que soit ce que Dieu a dit, quel que soit ce que les hommes ont dit, quel que soit ce que le monde a dit, quel que soit ce que la semence du diable a eu à dire, j'aimerais te dire ce soir, il y a un puits. Dieu dit ce soir, la semence du diable te condamnait. Mais Jésus va dire, qui d'entre vous n'a jamais péché, jette la première pierre. Jésus a toujours un mot à dire sur ta famille. Je ne sais pas les malédictions ancestrales qui parlent sur ta famille, mais j'ai envie de te donner une bonne nouvelle et te pousser à prier ce soir. C'est qu'il y a un puits, Dieu dit ce soir, pour ta famille. Alors j'aimerais que tu puisses parler, tu puisses prophétiser des bonnes paroles, tu puisses annoncer des bonnes paroles. Écoute-moi très bien. Si la mort est venue par une bouche, la vie également peut venir par la bouche. Voilà pourquoi ce soir, tu vas déclarer des paroles de vie, des paroles de libération, des paroles de paix, des paroles de bénédiction pour ta famille. Élève ta voix de là où tu es et commence à annoncer quelque chose pour ta famille. Voici 2021 qui s'annonce. Déclare
déclare des choses, annonce des choses pour ta famille. Je ne sais pas qui a partagé ce live. Si j'étais à ta place, j'aurais prié comme je n'ai jamais prié. Ce soir, Dieu veut t'entendre. Ce soir, Dieu veut écouter ta prière. Alors élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Je me tiens ce soir comme sentinelle de ma famille et j'annonce maintenant prophétiquement, j'annonce au nom de Jésus, là où ma famille était dans l'échec, la victoire arrive dans ma famille, la victoire arrive dans ma famille, la réussite arrive dans ma famille, quel que soit ce que la semence du diable a dit, je me tiens ce soir comme sentinelle de ma famille et je viens prier pour elle, j'annonce le mariage où il n'y avait pas de mariage, j'annonce la réussite là où il n'y avait pas la réussite, j'annonce la libération là où les gens étaient en esclavage. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous avons ainsi prié, nous levons nos mains au ciel et nous disons Amen. Levez vos mains au ciel. Je prie pour vous au nom de Jésus que toutes ces paroles prennent effet à cet instant dans votre vie. Je déclare que tout ce que vous avez adressé à Dieu comme parole à cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth puisse prendre effet. De partout où vous êtes, de partout où vous me suivez. So for wherever you follow me right now. Vous avez prié pour vos familles. You've been praying for your families. Vous avez prié contre tous les problèmes qui minent votre famille. You have prayed against all the problems in your family. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. I pray in the name of Jesus. Que Dieu vous accorde l'exaucement. Let God bring you answer. Que Dieu vous accorde l'exaucement. Let God bring you answer. Je vais prendre rapidement une maman ici. I want to take someone. Je vois un nom Marie ou mariée. Marie. A name like Marie. Marie ou mariée. Vous pouvez, Marie-Joseph, vous pouvez prendre place rapidement, s'il vous plaît. So you can be seated. Mana Asando, Enami, Shada, Kibrahada Gizo, Abena Sekamoto, Frai Kavaha Zadrea, Jimos to Frai de the host, Enne Wine Wine Clede Vede Soblai Kadahaza, Kriho Sedeish, E Flecanta Parai de Hezo. Radoche, I kabara di vos tapraye da vos. Maman, oh. Pendant que je vous ai vu dans mon esprit, j'ai vu quelque chose. As I saw you, I saw in my spirit something. Et pendant que j'ai commencé à prier, as I started praying, dans le règne de l'esprit, j'ai vu un ange. The reign of the spirit, I saw an angel. Et l'ange de Dieu m'a présenté un document. And the angel of the Lord showed me a document. Le document était dans des. The document dans was dossier. In a file. Et dans le document, je suis en train de voir, vous avez prié pour le document et vous êtes en train de dire, je vais recevoir mon argent quand. And in this folder, I saw that you were saying that when am I going to receive my money? Et l'esprit de Dieu commençait à me montrer une chose. And the spirit of God started showing me something. Il me montrait comment un ange était en train de prendre le document. I was shown an angel taking the document. Et il amenait ce document là où on devrait vous remettre une somme d'argent. He was bringing the document to the place you are supposed to receive an amount of money. Et l'esprit de Dieu me dit là où vous êtes. And the spirit of God is telling me where you are. Il y a un document, il y a on vous doit quelque part. There is a folder. Some people are just owing you. Mais il veut vous accorder aujourd'hui les finances que vous cherchez. He would like to give you your finances that you've been seeking for. Vous avez le document avec vous? Do you have the folder? Vous avez le document? Do you have your folder? Vous avez le document? Do you have your folder? Allez chercher rapidement le document. Allez-y chercher rapidement le document. Go and take it rapidly. Allez chercher rapidement le document. Go and take your document. Vous me recevez? Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Vous m'écoutez? Est-ce que vous écoutez? Maman, est-ce que vous écoutez, s'il vous plaît? Les autres me reçoivent, s'il vous plaît. Vous écoutez, si vous écoutez, levez la main. Levez la main si vous écoutez.
Ok, je demande où est le document. Le document avec vous? Où, pardon? C'est au guichet. Au budget. Vous êtes allé poser le document là-bas? Oui, on a laissé ça. Dans le okay. Bureau. Ok. L'Esprit de Dieu veut faire quelque chose avec vous de là où vous êtes à cet instant, ok? Parce qu'on doit vous appeler rapidement pour vous donner cet argent. Mais si vous ne faites pas attention, cet argent va vous susciter beaucoup de problèmes. Je reprends. Cet argent va vous susciter beaucoup de problèmes. Parce que je suis en train de voir, vous allez perdre une personne. Est-ce que vous avez une fille qui travaille à la police? Oui, est-ce que vous avez une fille qui travaille à la police? Vous avez une fille qui travaille à la police? Ok, je vois sur cet enfant, il y a je crois avoir, la maman est prête à l'église, non? Hein? Voilà, je vois dans mon esprit comment cette fille-là, il y a un grand problème qui doit l'arriver à cause de votre dossier. Et pendant que je parle avec vous, l'Esprit de Dieu me montre une policière. Je suis en train de voir son identité, c'est une autorité, je vais cacher l'identité. Mais je vois comment on a bloqué la vie de cette personne. Est-ce que vous m'écoutez? Tout ce qu'elle fait, ça ne marche pas. Ça n'avance pas. Rien n'avance. Rien ne marche. Tout ce qu'elle fait, ça passe d'échec en échec. Et je vois même à côté d'elle, on a comme collé un esprit d'alcool, de vin sur elle. On a dit que sa vie, elle doit passer le temps à boire et elle n'aura jamais de stabilité dans le cadre marital. Tout récemment, il y a de cela 6 jours en arrière, ta fille a eu une douleur au niveau de son pied. Cette douleur qu'elle a eue, c'était le combat qui s'annonçait. Parce que je vois avant ça, ta fille est venue te voir chez toi. Elle a dit, maman, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que ma vie a des problèmes jusqu'à aujourd'hui? Je ne sais pas si ta fille est là. Est-ce que votre fille est là avec vous? Ok. Je vois la personne est venue. La personne vient comme vous présenter un document. Mais je vois le document, c'est son salaire. Et je suis arrêté dans le nombre 643 000 de salaire. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'il s'agit de ta fille. Est-ce que vous êtes informé de ça? Ok. Arrive pas longtemps, s'il vous plaît. Vous dites? Il n'y a pas de problème, j'arrive. Parce que je vois comment elle vous présente un document. Sur ce document, je vois, c'est son salaire. Mais je vois dans le document, c'est écrit plus de 643 000 de fonds CFA, quelque chose comme ça. Après cela, je vois, vous êtes en train de prier actuellement pour quelqu'un. Il s'agit de l'un de vos fils. Mais je vois la personne est bloquée au niveau de son travail. Hein? C'est l'un de vos fils, mais il est bloqué au niveau de son travail. Cette personne-là, je chante de voir comment, on dit quoi, quelqu'un qui écrit, écrivain, il est en train d'écrire les livres. C'est ça? Ok. C'est ton fils qui est venu des États-Unis. Il écrit des livres. Est-ce qu'il a des problèmes de travail? Parce que dans mon esprit, je chante de voir comment on a bloqué au niveau de son travail. Ok, regardez ce que je vais vous dire. L'Esprit de Dieu m'a dit de prier pour lui parce que dans les semaines qui arrivent, à cause de ce que vous avez participé au programme des familles, on va appeler votre enfant pour travailler. Quelque chose de grand va se passer. Wow. Vous, my God,
Vous allez être surprise de ce que le Seigneur va faire avec vous. Là où vous êtes, tenez-vous debout. Je vais prier pour vous parce que je suis en train de voir dans mon esprit, il y a une grande délivrance qui est en train d'arriver de là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Je vais vous poser une question. Vous avez des problèmes avec un homme de Dieu? Ok, je suis en train de voir un homme de Dieu. Excusez-moi, je suis en train de voir une scène. Il s'agit d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu-là, il a fait un travail avec vous. Mais je vais un peu vous choquer un moment. Mais je vois la personne, il a comme voulu sortir avec vous, mais vous avez refusé. Est-ce que vous m'entendez? Ça ne dure pas. Hein? Est-ce que vous vous rappelez? L'homme de Dieu vous a demandé, vous voulez faire un travail. Le travail, c'était sur un mari de nuit qui vous embête. Vous êtes allé pour un souci de mari de nuit. Parce que vous êtes exprimé, vous avez des problèmes de mariage. Je vais taire le nom de l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Non, c'est bon. C'est moi qui parle. Faut pas dire d'autres choses. Laissez-moi parler. Et je vois, vous avez pris une somme d'argent dans la main. La somme d'argent, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez pris 100 000 et vous avez remis à l'homme de Dieu là comme pour faire un travail. Vous avez tendu 100 000 francs. Je ne parle pas de plus de 100 000, de moins de 100 000, mais je parle de 100 000 francs CFA. Vous avez pris les 100 000, vous l'avez donné. Pourquoi je parle ainsi? Parce que l'Esprit de Dieu est en train de me montrer que vous devez retourner vers l'homme de Dieu là. Je ne sais pas, mais vous devez retourner. Vous devez tout faire pour faire la paix. Tout faire. Je répète, c'est l'instruction que Dieu vous donne. Vous devez tout faire pour reprendre la paix. Parce qu'il y a un véritable problème. Votre problème, il est d'abord spirituel dans votre famille et il ne faut pas chercher à empirer des choses. Mais à partir de ce soir, je viens prier pour tes enfants. Je prie pour ta fille. Après la prière que je vais faire, ta fille sera restaurée. Et ton fils qui cherche le travail sera restauré. Car la main de Dieu passera sur lui. Lève tes mains. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout esprit qui se retrouve derrière toi, qui a attaqué tes enfants, à cet instant, il quitte ton corps. Je commande, la délivrance arrive sur toi. Maintenant, je compte jusqu'à 7. La puissance de l'esprit descend sur toi parce que tu es sa servante. Et aucun mal ne peut t'arriver. Rien de mal ne peut t'arriver. À partir de ce soir, je décrète au nom de Jésus, la main de Dieu vient te toucher. Sois libre par la puissance du nom de Jésus. Les anges de Dieu viennent jusqu'à toi. Et une délivrance. Pendant que je pose la main sur cet écran, je décrète et je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth que la délivrance arrive. La délivrance arrive. Nous prions pour toi. Seigneur, fais grâce à cette femme. Fais grâce à sa famille. Dans le nom de Jésus, en me connectant avec mon portable, je décrète que de partout là où elle est, Seigneur, qu'elle soit touchée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour vous. Je déclare, c'est fait. Vous êtes libre. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Cette femme que vous voyez ici, dans mon esprit, j'ai vu plusieurs choses auxquelles elle faisait face. Et l'Esprit de Dieu m'a demandé de prier pour elle afin qu'elle reçoive la libération. Je ne sais pas si parmi les noms qui sont ici, il y a une dame, parce que je suis en train de voir comme un nom dans mon esprit, et je vois le nom s'écrit avec trois lettres. O-K-E. Je ne sais pas si la personne est ici,
où la personne se trouve ici sur Facebook. Il y a aussi des centaines de personnes qui nous suivent sur Facebook. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Chano. Ekabaradivost, Palish, Shadavaraz, Mazo Palihost. Est-ce qu'on peut défiler sur toutes les listes? Défilons, défilons. Aïga, Sebos, Adevaz. Aziko prade hazia tavahatros. Jeve de hizo palegas. Mazat radigres. Jabade shabahadavos. Matru a shabali raza. Ender steke de vaz. Zusha prae de verez. Mashatikala. Adruva jate bahadia. Maze probobo shabababa. Là où vous êtes, mettez-vous en prière, priez. Connectez-vous à l'Esprit Saint. Il y a des grandes choses qui veulent se faire. Je vois des miracles, comment Dieu commence à toucher même des malades. Mettez-vous en prière. Adressez une prière à l'Esprit de Dieu. Start praying. Address a prayer to the Spirit of God. The Spirit of God would like to do something. Start praying. The Spirit of God is going to do something. We can see healing people are going to be healed on the behalf of this prayer. No matter what your problem, no matter what your situation, this is the time to address your prayer to the Spirit of God. Lift up your voice and pray to the Lord. Pray to the Lord. Pray. Yes, no prayer. Merci Saint-Esprit de Dieu. Thank you, Holy Spirit. Est-ce que l'apôtre Blessing est là? Apostle Blessing. Si elle est là, je veux lui donner le message de l'Esprit. I want to give the message of the Lord. Ça va, apôtre? L'Esprit de Dieu a mis quelque chose dans mon esprit et il me dit de te le dire. C'est pas grande chose. C'est quelque chose de simple, hein, que je vais dire. Je cherche ici une dame. Une dame au nom de Condé Marie-Jeanne. J'arrive, apôtre. Condé Marie-Jeanne, si elle est là. Tu peux lever la main. Condé. Vous avez fouillé Condé Marie-Jeanne. Si elle peut lever la main. Ou s'il y a une personne qui connaît la Condé Marie-Jeanne, elle peut lever la main. Il faut fouiller partout, hein, même sur Facebook. Il faut jeter un coup d'œil.
foudre. Ok, apôtre, je vais vous annoncer quelque chose. Dans mon esprit, j'ai vu les Kramasiha Davahas. Thank you. J'ai vu vous êtes connecté à un programme. Mais c'est pas. C'est un programme qui s'est passé sur Zoom. Ce programme, c'était au niveau de la semaine passée. Est-ce que vous m'entendez? Je vois un homme. Je vois un homme qui a eu à prier pour vous. Mais je suis arrêté entre le jeudi et le vendredi. Je vois un homme qui a prié pour vous, mais d'origine congolaise, dont je me réitère le nom. Oui. Ok, merci. Et je vois la personne, il a prié pour vous. Et lorsqu'il a prié pour vous, j'ai vu comment le ciel s'ouvrait dans votre vie. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de venir jusqu'à vous et de vous annoncer ce qui est sur le point d'arriver. Parce que pendant que j'ai vu la maman, j'ai vu là où elle est actuellement. Elle a un petit problème. Mais je suis en train de voir, c'est un problème de papier. Je suis en train de voir un document. Que les autorités au niveau de là où elle se trouve doivent venir pour remettre ce document. C'est un problème de. C'est un document. Mais c'est ce document qui va déclencher. Merci, Pianiste. Qui va déclencher beaucoup de choses dans sa vie. Et l'Esprit de Dieu m'a demandé de prier afin qu'il y ait la libération. Malekraza vaza. Vaza lekraza vazoj. Mazekej. Mazekej. L'écro faïjadahaz. Le endo shaba likrabazosha. Mazeka la valise. L'écro varaj shabalaha de vos. Ok, le document dont je suis en train de parler ici dans mon esprit, c'est lié comme au séjour. Les titres de séjour au niveau de l'étranger là où elle est. Et je suis en train de voir comment prendre le document. On est en train de l'attribuer le document. Qu'est-ce que ce document-là va faire? Dieu va passer par ce document afin de manifester quelque chose de grand et d'extraordinaire avec elle. Je réponds. Quelque chose de grand et d'extraordinaire avec elle. Parce que pendant que je parle, j'ai vu ceci, deux choses. J'ai vu un box commercial qui est en train d'ouvrir ses portes. Je réponds. Un box commercial qui est en train d'ouvrir ses portes. Et deuxièmement, l'Esprit de Dieu m'a amené dans un bâtiment. Et dans ce bâtiment, j'ai vu une croix devant l'entrée du bâtiment. Et il me dit, regarde, qui prêche là-bas? Et dans mon esprit, je vous ai vu en train de prêcher la parole dans ce grand bâtiment. En fait, Dieu va vous amener dans une saison de 2021 dans un cadre évangélique qui doit sauver et bouger beaucoup de personnes. Jusque là, vous allez remarquer qu'il y en a assez de blocages dans votre famille. Les femmes ont du mal à se marier. Ce n'est pas autant le problème devant Dieu. Le problème, c'est vous qui ne vous êtes pas encore levé. Parce que je suis en train de voir que Dieu vous a donné la responsabilité d'amener toute votre famille à la conversion. Car toute votre famille va se convertir au travers de vous. Je vois dans mon esprit comment vous sortez d'une famille qui se retrouve dans des emprises assez diaboliques. Là où le diable est en train de régner. Et l'Esprit de Dieu me dit de vous dire qu'il a pointé son doigt sur vous. Écoutez ce que je dis. Il a pointé. Oh, malégra savahaza. Il a pointé son doigt sur vous. C'est pourquoi il y a de cela deux semaines. Deux semaines, il était 2 heures. Vous vous êtes réveillé au milieu de la nuit. Vous avez fait un songe où vous vous êtes retrouvé au milieu de plusieurs malades. Et vous étiez en train de prier. Et pendant que vous priez pour des malades, les malades reçoivent la guérison. Je vois même des paralytiques. Je vois beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis que pour cette dame, c'est extraordinaire. Hein? Je ne vois pas de nom, je ne vois pas ceci. Je vois le ministère. C'est une servante qui est là. Est-ce que... Maman, c'est une servante. Peut-être vous l'avez entendu. Peut-être je vous l'ai déjà dit. Mais écoutez, à partir de 2021, vous n'aurez plus à vous plaindre sur plusieurs choses. Parce qu'en 2021, le ministère de Dieu va commencer en puissance et en force avec vous. Dieu m'a dit de prier pour vous afin d'ouvrir toutes les portes. Il m'a dit de déclencher un miracle extraordinaire qui doit arriver sur vous. Car
à côté d'une dame, Dieu a choisi un homme. Et Dieu vous fait grâce par la puissance du nom de Jésus, de là où vous êtes. Je décrète au nom de Jésus, partout où il y avait des barrières, des limitations devant vous, que la main de Dieu soit posée, que Dieu vous propulse et qu'il vous amène de victoire en victoire. In Jesus' mighty name. Votre message, c'est un message ministériel. Amen. Hein? Prenez ce message. Attachez-vous à ça. Restez. Je dis bien, attachez-vous à ce message. Quelque chose de fort se passe. En 2021, écoutez-moi, 2021, c'est grave. C'est grave. Dis avec moi, c'est grave. Oui, ma maman, je parle de vous. C'est grave. Tenez-vous debout. Je ne veux pas te dire le nom, je vois tel terrain. Tenez, levez vos mains. Vous allez l'expérimenter où vous êtes. La puissance angélique, les anges de Dieu viennent jusqu'à vous. Shinda. J'ai prié pour vous au nom de Jésus. Waouh, 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 c'est fait. Jesus. My God. Voici comment l'Esprit de Dieu touche cette dame à distance. Il y a une visitation angélique sur elle. Quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose d'extraordinaire. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Une onction de force, une onction qui vous propulse dans les hauteurs et qui vous amène dans les hauteurs. Dans le nom de Jésus, une onction qui vous donne la vision de l'aigle, je la relâche sur vous par la puissance du nom de Jésus. Car la barrière, la distance n'est pas une barrière. Et la main de Dieu vous visite et vous touche de là où vous êtes. Dans le nom de Jésus. Amen. J'ai vu un nom ici au nom de Esther. Esther, je ne sais pas si. Ça donne quoi là-bas? Esther dit là, ok. Est-ce qu'elle est là? Esther, je vais te parler de la part du Seigneur, ok? Dieu va te faire grâce. Pendant que j'ai parlé avec toi dans mon esprit, je me suis rendu dans une ville. Et la ville dans laquelle je me retrouve en esprit, c'est Mwanda. Et je suis en train de rentrer dans une maison au niveau de Mwanda. Et je vois un couple de personnes, ils sont mariés. Et je vois que vous êtes en train de prier pour ce couple, vous intercédez vraiment pour eux. Parce que ce couple-là, c'est un couple, ils ont reçu une charge ministériel. Et vous vous êtes dit, je suis là où je suis, je dois tout faire pour honorer toutes ces personnes. Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire, c'est pas lent. Dieu est sur le point de faire quelque chose avec votre famille. Mais c'est comme j'ai parlé avec la dame dont vous venez de remplacer là. Dieu veut passer par vous. Écoutez, parce que ce que vous avez déjà commencé à faire, au niveau de là où vous vous retrouvez là-bas au Maroc, je crois. J'ai déjà prophétisé pour vous une fois. Là où vous vous retrouvez au niveau du Maroc, c'est que l'Esprit de Dieu va commencer à faire avec vous. Ça va être comme la blague, hein? Mais après, les gens vont être étonnés de manière extraordinaire. Je suis en train de voir pendant que je parle avec elle, elle est en train de monter une équipe forte en secret. Je réponds. Elle est en train de monter une équipe. Cette équipe-là est en train de réunir plusieurs personnes. C'est une équipe prophétique. Dans cette équipe, je suis en train de voir des pasteurs. Je ne vois pas seulement des chantres, je vois des pasteurs, je vois des prophètes, je vois des évangélistes. Écoutez, la responsabilité spirituelle ne se donne pas en fonction de l'âge naturel, mais en fonction de la capacité spirituelle à être sage. Et parce que Dieu a vu ce potentiel en toi, il me dit de te dire, les chakalavaranigos, fais tout pour activer ce groupe. Hein?
Je réponds, fais tout pour activer ce groupe. Oh, lève-toi, lève-toi. Je ne veux pas aller loin. Wow, lève-toi. Tends tes mains au ciel. Je prie de là où tu es, au nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. Sois connecté, quelque chose va se passer. J'entends un nom. Je ne sais pas si la personne est là ou sur Facebook. Qui porte le nom de Nikabou? Nikabou. Nikabou. Si la personne aussi est là sur les médias, la personne peut se prononcer. Je vais prier pour la Esther ici. Les Prahazikas. Après, vous allez me mettre Laetitia. Je vois Laetitia ici. Je prie pour toi. Dans le nom de Jésus. Dieu te donne la victoire. L'Esprit de Dieu te remplit et t'équipe. Sa main est posée sur toi. Il transforme ton langage. Il colonise ton langage. Il te donne de te fortifier et d'aller de l'avant. Oh, oh my God. My God. My God. Je suis en train de voir un grand restaurant qu'elle va faire sortir. Hein? Un très grand restaurant. Hein? Je suis en train de voir en entrée de vendre des choses. La pâtisserie, on vend des choses. Je suis en train de voir ça dans mon esprit. C'est quelque chose de grand, une grande activité qu'elle est en train d'ouvrir. Vous voyez, elle a été touchée par la puissance de l'Esprit de Dieu. De là où elle se trouve, car la main de Dieu, la main du Seigneur est posée sur elle. J'ai prié pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois touché. Amen. J'ai parlé d'une dame au nom de Nikabou. Nikabou. Mais on me montre une dame dans mon esprit. Est-ce que la dame est là? Si elle est là, elle peut lever la main. Nikabou, Nikabou. Si quelqu'un connaît la dame, Nikabou. Chabous. Nikabou. Il faut aussi vérifier sur Facebook. Nikabou. J'ai parlé de Laetitia. Ici encore. Elle veut fouiller Nikabou. Allons-y rapidement. My God, Shadavost, Redehaz. Ah, Laetitia, c'est ta fille. Ok, je vais te parler quelque chose de, sur ta vie. Il faut faire attention. Okay? Parce que pendant que j'ai vu ton nom, j'ai entendu quelque chose dans mon esprit. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, elle doit faire attention. Elle est dans ta cellule. Est-ce qu'elle t'a parlé qu'elle a une convocation? Elle doit rejoindre des autorités. Je suis en train de voir, Madame Laetitia, vous êtes dans la tristesse. Votre cœur est touché. Vraiment touché de là où vous êtes. Parce que ça concerne vraiment votre vie. Et vous voyez vos enfants. Vous avez tellement mal au cœur de ce qui est en train de se passer. Je reprends. Tellement mal au cœur. Mais Dieu veut vous faire grâce. J'arrive. Je suis en train de voir dans mon esprit. Comment on va vous appeler? On va vous appeler, vous allez comme résister. Je parle du divorce, c'est ça? Je parle du divorce, mais elle va résister parce qu'elle ne veut pas, elle ne va pas vouloir ça. Elle va penser à son mari blanc, elle va penser aux enfants, elle ne doit pas vouloir. Je suis en train de voir 3 jours après, parce que le divorce là-bas s'est passé. Écoutez, ça va se passer. Mais 3 jours après, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que je suis en train de voir, vous avez déjà même saisi des documents. Les documents sont déjà là, apprêtés. Tout est déjà apprêté. C'est ça? Tout est déjà apprêté. Tout est déjà apprêté. Et ça vous fait tellement mal parce que vous voyez vos enfants. Les enfants sont là.
Et vous vous posez la question de savoir, Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui doit se passer? Quelles sont les orientations que tu me donnes? L'Esprit de Dieu est en train de me dire, de vous dire, ça va se passer, mais 3 jours après, quelque chose d'autre va se passer. J'ai vu les mêmes documents qui seront signés. C'est les mêmes documents dans mon esprit. Je vois qui vont être déchirés. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez une grande mission, pas seulement sur le plan marital dans la vie de l'homme avec qui vous êtes en palabre actuellement, mais aussi sur le plan spirituel. Vous êtes une couverture pour lui de manière spirituelle. C'est-à-dire que s'il s'azade sur le divorce là, s'il s'azade, s'il endurcit son cœur sur le divorce, il ne mettra pas l'enfeu. Hein? Il ne mettra pas l'enfeu, il s'arrêtera. L'Esprit de Dieu m'a demandé de prier pour toi. Afin que le Dieu d'intervention de la dernière minute puisse annuler cela. Que des choses extraordinaires puissent se passer là où tu es. Est-ce que nous croyons un Dieu qui est puissant? Amen. Dieu va faire quelque chose. Je vois le document déjà à la justice. Mais je crois que Dieu peut faire quelque chose. Vous savez, on parle. Voici des choses qui attaquent la cellule familiale, les divorces. Vous ne pouvez pas vous marier pour divorcer. Je dois prier. Mais je vais vous poser une question. Parce que là, vous parlez avec le prophète, maman. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse actuellement? Parce que le prophète qui a l'onction de Dieu, il a la capacité de changer. Il y a des futurs modifiables. Il a la capacité de modifier les choses. Qu'est-ce qu'on fait? J'attends tout de vous. On divorce ou on annule. C'est chacun pour chacun. Il y a pas, il faut pas avoir honte de quelqu'un ici. Il faut répandre. Voilà. Ok, tout ça là, c'est les longueurs. Donc, moi, je conclue que tu ne veux pas divorcer. C'est ça ou c'est pas ça? Donc, on va prier. Est-ce que vous croyez au Dieu qui a la capacité de changer, de modifier des circonstances? Je vous ai parlé de quelque chose qui va se faire. Mais après 3 jours, Seigneur va décider autre chose. Je réponds. Après 3 jours, le Seigneur va décider autre chose. Je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose de bon se passe. Le Seigneur est de ton côté, il te donne la victoire. Amen. C'est fait. Acclamons le Seigneur. Il y a des personnes qui sont face au divorce, c'est tellement difficile, hein? Mais il arrive que parfois, lorsqu'elles voient des enfants, tôt, c'est le foyer, donc je ne vais pas un peu rentrer dans les profondeurs. Je crois que ce sont des dossiers que ça, je gère avec mon fils. Puis dans sa cellule, dans ta cellule. On va prier pour ça et nous croyons que quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire va se faire. Car la main de Dieu est posée sur elle. J'ai vu la maman qui nous suit de Port-Gentil, qui nous suit depuis Port-Gentil.
La blanche. Ok. Tania Karpova, où est-elle? Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là? Quoi l'avoir aperçu ici? Hein? Tania, Tania. T-A-N-Y-A. Elle est là ou elle n'est pas là? Ok, Madame Tania, veuillez activer le son de votre vidéo et votre vidéo, s'il vous plaît. Wow. Qu'elle est là, qu'elle active rapidement. Je vais lui dire quelque chose. Rapidement, nous sommes déjà bientôt, nous allons terminer. À partir d'après-demain, je vais rentrer dans les services prophétiques. Après-demain. Si elle m'écoute, j'ai vu dans mon esprit comment quelque chose l'arrivait au niveau de son pied droit. Quelque chose l'arrivait au niveau de sa jambe droite. Je vois, elle sort d'une maison, et elle a la terrasse, et je vois des escaliers. Puis lorsqu'elle tombe, elle fait un faux pas. Elle a un problème des pieds. Ça va tellement s'empirer. Si elle est là, s'il vous plaît. N'arrive pas à démarrer la vidéo. Wow. Vous allez noter le message et vous allez lui dire. Donc, elle fait un faux pas. Et lorsqu'elle tombe, et puis je vois comment elle a un problème au niveau de son pied. Et là, c'est parti pour toute sa vie. Elle ne doit plus marcher. Je suis en train de voir ça dans mon esprit. Mais cela est dû au fait que dans la zone là où elle se retrouve, il y a un grand problème. Je reprends. La zone là où elle se retrouve a un véritable problème. Un grand problème. Et il faut vraiment qu'on prie. On prie pour elle. Si elle revient, vous me faites signe. Je vois ici Léa. Mettez-moi Léa rapidement. Léa est là? Ok. Wow. Il faut dire à ma fille Laetitia, là, Dieu me dit c'est annulé. Hein? C'est annulé pour elle. Gloire à Dieu. Ok, Léa, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Ok, que Dieu vous bénisse. Où est Léa Abiom? Il y a beaucoup de Léa, hein? Ok, ça va? Je suis en train de voir dans mon esprit une guerre. La guerre que je suis en train de voir, c'est du côté du Cameroun. Et on est en train de me montrer une maison en discussion. Je suis en train de voir une maison que des personnes sont en train de disputer. Je veux aller plus loin dans la vision. Et je suis en train de voir comment on a pris des fétiches. On est déjà allé planter dans cette maison. Planter dans cette maison. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de la lancer une maladie au niveau de son cœur. Et au niveau de son cœur, elle va sentir comme une masse. Et je vois, elle va tomber. Est-ce que tu as payé une maison là-bas dans ton pays? Tu as payé deux maisons.
est donc en Suisse, hein? Voilà. En moins de 3 mois, tu as payé deux maisons. Merci, merci, merci. Et il faut garder parfois la discrétion, hein? Il ne faut pas tout dire sur vous. Voilà. Parce qu'il se peut, nous sommes dans les médias, personne mal intentionnée peut parfois passer, capter vos prophéties qu'on donne. Ils vont analyser ça. Vous savez que le prophète, on dit beaucoup de choses sur moi. Hein? Beaucoup. Mais Dieu reste seul juge. Regarde, la maison que tu as payée, je chante de voir une maison. Mais dans mon esprit, je vois comme une maison, mais je vois on dit R1, lorsqu'elle est montée, quelque chose comme ça. Ok. Celle de Yaoundé. Et je chante de voir sur la maison, il y a du gris, il y a de la couleur gris sur ça. Et c'est ça, c'est cette maison. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, à cette maison-là, plus précisément derrière, parce que je chante de voir une barrière que les gens sont en train de mettre, mais au niveau du derrière, je vois une barrière. Voilà, vers la barrière là, à l'entrée du derrière, je chante de voir, ils sont allés placer un fétiche. Mais dans le monde spirituel, je vois que le rituel du fétiche doit se faire au début du mois de décembre. Au début du mois de décembre, ils vont faire un fétiche pour relâcher une masse au niveau de son cœur. La dame Shakadiva Zedrevarazi Gabarazo la Majebro Sofaida. Elle va se lever un bon matin et pendant qu'elle va se lever, elle va sentir une grosse masse qui va arriver et elle va tomber, elle va faire une crise cardiaque. Pourquoi? Parce que cela a été relâché depuis son pays par problème de jalousie. L'Esprit de Dieu me dit de prier pour toi et en ce moment, pendant que je parle avec toi, les anges de Dieu sont affectés depuis le Cameroun. Peu importe ce qui a été fait. Je libère le feu de Dieu. Chatravazish. Landa Shadia. Enderez de qui Shadava. Endewin Siblovos. Shagida Paraïse de Ezo. Rakusha Ndevrahazigadahaza. Mazofaidereja. Kazofaida. Et pourtant, cette dame que vous voyez ici. C'est une personne qui fait du bien. Elle fait du bien à beaucoup de personnes. Mais, wow. Et dans l'une des maisons, elle a prévu prendre une maison pour donner à ses parents, pour habiter dans la maison. Mais les mêmes personnes qu'elle a prévu donner la maison, c'est les mêmes personnes qui font ce mal-là. Donc j'aimerais taire les noms. Et quelque chose de mauvais était prévu sur elle. Cette dame devait quitter le monde comme ça. C'est pourquoi je vous dis que toutes les morts ne sont pas naturelles. Il y en a des morts spirituelles. C'est pourquoi ce programme-là, au nom de Jésus, je m'adresse à plus de 500 personnes qui s'étaient tenues debout. Je décrète, tu sors de ce programme avec la libération de ta famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masadish, Zebros, Kalabaradias. Mesopraanda la migas, sebraha yavahaza bos, mesekiri vahaza. Seigneur, je prie pour ta servante. Je prie pour elle. Est-ce qu'on peut prier pour elle? Prions pour elle un instant. Prions pour elle. Battons nos mains en nous lançant.
de Jésus. Nous prions, nous disons Amen. Seigneur, je prie pour ta servante. Merci de donner la victoire à ta servante. Wow. Merci d'accorder la victoire. Merci d'accorder la victoire. Pendant que j'ai prié pour elle, j'ai vu une atmosphère qui est passée sur des personnes qui nous suivent depuis Facebook. Et j'ai vu comment la main de Dieu les touchait là où ils sont. Madame, ne t'inquiète pas. Rien de mal ne doit t'arriver. Hein? Rien de mal. Wow. Rien de mal ne doit t'arriver. Regardez, cette dame a reçu un appel, ça ne fait pas longtemps. Elle a reçu un appel. Je peux compter un mois en arrière. Et dans cet appel venait du côté du Cameroun. C'est un pasteur, où est-il actuellement? Il est à Douala, où est-il? Parce que j'ai vu cet homme avec les menottes. Il est en prison actuellement. Il est en prison actuellement. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regarde, Dieu va faire quelque chose de grand maintenant. Sebraigadahaza. M-A-R-I-U-S. Ça donne quoi? M-A-R-I-U-S. Hein? Marius. Marius. Hein?
Merci Seigneur. Je décrète et je déclare que tous les plans de l'ennemi à partir de ce soir rendez-vous. La dame a un rendez-vous au mois de décembre pour aller vendre une maison. La dame a un rendez-vous au mois de décembre pour aller vendre une maison. Prenez ce nom K-O-N-D-E. Pendant que vous cherchez, je prie pour Léa Abiom. Je décrète et je déclare, in the mighty name of Jesus, le monsieur qui se retrouve en prison, à cause de ce que vous vous êtes connecté, parce que nous prions un Dieu qui révèle des choses cachées. Tenez-vous debout où vous êtes. Tenez-vous debout. Je vais prier, l'onction de Dieu va vous toucher, et ça va aller toucher le monsieur qui se retrouve dans la prison. Parce que je vois un homme qui a été accusé injustement. Et jusqu'à là, il cherche à sortir, mais c'est compliqué. Mais à cause de vous, à cause de l'alliance de Dieu, je décrète et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la libération totale. Là où vous êtes, recevez l'onction de Dieu. Recevez. Reçois au nom de Jésus. Je décrète au nom de Jésus que tout change, tout échec change, tout malheur change. Toute condamnation change. Pendant que je pose ma main sur cette caméra, je décrète et je déclare la délivrance. In the mighty name of Jesus. Amen. Sibros Sabahaya. Suivant, on peut avancer. Amahadis. Je sens que ça va être grave. Ça va être terrible. Mais à partir d'après-demain, ça va être terrible. Il y a des familles qui vont vomir des substances ici. S'il y a des paralytiques que vous connaissez, il y a des personnes qui sont malades, ne vous inquiétez pas. Dieu va guérir toutes les maladies. Oui, il va guérir. On avance.
comment faire tout pour entretenir ton dossier. Mais nous allons entretenir ton dossier plus précisément à partir du mois de janvier. Chose qui a été prévue sur vous, mais la chose a été prévue au niveau de Kinshasa, parce qu'ils ont écrit dans le haut, pardon, dans le domaine de la sorcellerie, qu'au niveau du c'est la vente d'une maison, c'est ça, vente d'une maison, vous allez vendre une maison. Et dans mon esprit, je vois comment ils ont prévu quelque chose à partir du 2 décembre. Ils ont prévu envoyer dans ton côté gauche une paralysie. Je vois comme quelqu'un atteint de l'AVC. Elle veut tout faire pour aller, mais elle ne peut pas aller. Pourquoi? Parce que cette maison là où tu es, la maison a été tellement combattue. Mais aujourd'hui, je viens avec la parole de Dieu contre toutes les paroles diaboliques de ta vie. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le sein de Dieu soit relâché à Kinshasa. My God, on tenami, Peles se klebot, enchen kana wine wine kledeve de his clavas, chabros. Je chante de voir un ange à côté d'elle. Ok? Je vois un ange. C'est une servante de Dieu. Cette maman que vous voyez. C'est une servante de Dieu. Et je suis en train de voir comment l'ange est en train de pondre le dossier. Au niveau du tribunal, il a posé un cachet sur ça. Il a dit, peu importe les oppositions, ça va se faire. My God. Et quelqu'un qui est là, cette personne qui est là, que cette personne lève la main et dise amen. Je reçois cette parole. J'aimerais que quelqu'un proclame des paroles sur sa vie maintenant. Partout là où tu es, fais-le. Tiens-toi debout par la foi. Proclame des paroles. Vous qui êtes ici, vous qui travaillez, technicien, proclamez des paroles dans cette atmosphère prophétique. Proclamez. Je proclame des paroles dans mes études. Je proclame des paroles dans ma famille. Des paroles de réussite. Des paroles de vie. Des richesses, des paroles de paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prospère en tout égard. Je prospère en tout égard. Je réussis dans tous les domaines. Aucune porte ne sera fermée. Je déclare que les grandes opportunités viendront vers moi au nom de Jésus. L'ouverture des portes internationales et nationales. Je déclare l'abondance en tout temps et en tout lieu au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, que les ordres de la mort soient annulés et révoqués de moi au nom de Jésus. Quel que soit là où il y avait des blocages familiaux, je réussirai là où les gens n'ont pas réussi. J'arriverai là où les gens ne sont pas arrivés. Je me déclare sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis porte-parole de Dieu sur ma famille, dans ma vie et dans tout endroit où je vais aller. Je déclare la réussite. Jésus est le centre de tout. Au nom de Jésus, mes terrains à venir, mes projets sont dans le sang de Jésus qui est Nazareth. Les mariages de ma famille, la guérison, la libération. Au nom de Jésus, tout est stabilisé dans ma famille. Au nom de Jésus. Jésus, je prie pour vous, je prie pour tous ces internautes.
Maman, levez les mains au ciel. Je vais prier pour vous. Wow, merci Seigneur. Maman, s'il vous plaît. Qui est Marie-Jeanne? Qui est Marie-Jeanne? Où est-elle? Maman Condé, qui est Marie-Jeanne? Vous m'écoutez? Si vous me recevez, faites un signe de main. Ok, activez votre micro ou remettez, je ne sais pas. C'est bon, merci. Vous me recevez? Ok. J'ai demandé qui est Marie-Jeanne chez vous. Non, je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Je parle d'une Marie-Jeanne Bokombe. Bokombe, c'est qui? C'est une copine. C'est pas possible. Ok. Marie-Jeanne Bokombe, hein? Et maintenant, qui est Marthe? Je suis en train de voir derrière vous une dame au nom de Marthe, mais qui est liée avec un blanc. Marthe, c'est votre fille. Cette Marthe-là, elle a une grande étoile sur sa vie. Hein. Je reprends. Elle a une grande étoile sur sa vie. Vous connaissez pourquoi je vous parle de ces deux personnes? Parce que premièrement, la première personne dont j'ai parlé ici, de Marie-Jeanne Bokombe, qui porte le même prénom que vous. Il y a quelque chose que je vois sur elle, mais qui n'est pas bien. Et l'Esprit de Dieu me demande de vous dire vous. Je ne sais pas pourquoi il me le dit, mais il me demande de vous dire de faire attention. J'ai dit qu'elle est sorcière. Non. Qu'elle fait de mauvaises choses? Non. Mais l'Esprit de Dieu me dit de vous dire de faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de dangers. Deuxièmement, j'ai parlé de M.A. Marthe, c'est ça? J'ai vu cette dame-là liée avec un monsieur blanc. Mais il faut prier pour ta fille. Sinon, non plus de temps, elle va avoir un problème au niveau de son ventre. Jusqu'au degré où elle ne pourra même pas concevoir. Au niveau de son ventre. Parce que je suis en train de voir comme une boule de sang qui est en train de se... Dis avec moi, boule de sang. Qui se forme dans son ventre. Et je suis en train de voir comment on soulève cette dame. On dit, on va la mener à l'hôpital pour chercher à l'opérer. Mais ils ne peuvent pas. Je vais prier pour aller annuler ce qu'ils ont prévu faire le 2 décembre dans votre vie. Le Dieu que nous prions, il a la capacité de confondre les sciences. Et tout ce qu'ils ont commencé à faire dans le secret, pendant que vous êtes inconsciente, ça va retourner sur eux-mêmes. Est-ce que vous communiquez avec les gens de... Communiquez avec eux? Oui. Au mois de décembre, il faut couper les contacts avec eux. Hein? Parce que je suis en train de voir des gens s'unir. Ils ont pris votre photo, mais c'est au niveau de Kinshasa. Ils sont en train de s'unir pour faire des convocations diaboliques. Mais ils sont en train de vous appeler. Je les vois, je vois des personnes qui sont juste derrière une école. Derrière une école.
J'entends M-O-T-E-M-A. Motemampico, c'est quoi? Je vois, ils sont derrière l'école. Ils sont en train de travailler. Ils travaillent. Ils sont en train d'appeler quelqu'un. Et je vois une flèche qui vole en direction. Je vois, c'est écrit L-I-E-G-E. Piège. C'est où? Là où vous habitez actuellement. Acclamons le Seigneur. Ok. Je vais prier par la puissance du nom de Jésus afin de couper ce contact entre Kinshasa et Liège où vous êtes. Je décrète et je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth que cela soit nul et sans effet. À partir de ce soir, je prie pour toi dans le nom de Jésus. Pendant que je touche ce portable, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, souviens-toi de ta servante qui se retrouve à Liège. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur, tu as dit, si tu as la foi comme un grain de chènevé, tu diras cette montagne, ôte-toi de là et celle-ci quittera sur ton chemin. Je décrète par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de ce soir, Seigneur, que ta servante est libérée. Seigneur, face à l'opprobre, face à ce que l'ennemi avait décidé de faire sur sa vie, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta main soit posée sur elle. Seigneur Père, tu n'as point changé, tu es tellement puissant, tu es tellement extraordinaire, tu fais des choses extraordinaires. Merci de donner la victoire à ta servante et de confondre tous ses adversaires. Je prie pour elle, je te la recommande entre tes mains, je recommande sa famille entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maman, il faut aussi prier pour une personne. Il faut prier pour une personne. J'entends comme Céleste Babinyanga ou quelque Babinyangaga ou quelque chose comme ça. Oui. Ok, il faut prier pour lui parce que j'ai vu on est en train d'arrêter cet homme. Je vois la mort sur lui. Ok, il faut prier pour lui. Au nom de Jésus. Ok. Je vous prie de vous tenir debout. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Je demande à tout le monde, tous ceux qui sont sur Zoom, tenez-vous debout. Nous allons prier. Radis. Pendant que je vais prier, nous allons dire au revoir à ceux qui nous suivent sur Facebook et nous allons rester ici sur Zoom. Je vais vous faire passer quelques instructions de la part de Dieu. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour ce premier jour rempli de puissance et d'atmosphère prophétique. Seigneur, sois béni, reçois toute la gloire, la louange et l'honneur pour ces temps extraordinaires. Merci pour le message. Dieu t'a adressé à quelqu'un ce soir. Tu as révélé ta pensée à quelqu'un ce soir. Ces personnes qui passent par des difficultés, Seigneur, elles ont compris ta pensée et ton message. Je prie au nom de Jésus que seule ta main soit posée sur elles et que tu donnes tout le monde la force à se retrouver ici demain. C'est au nom de Jésus, j'ai prié, j'ai dit Amen. Alors, je demande à tout le monde de rester. Je demande à tout le monde de rester parce que j'ai une information à vous faire passer. J'ai reçu une instruction de la part du Seigneur. D'ailleurs, si nous sommes encore sur Facebook, ok, j'aimerais faire passer un message à toutes les personnes qui sont sur Facebook. Nous avons mis un numéro
sur lequel vous pouvez envoyer votre message de participation pour nous rejoindre comme toutes ces personnes, des centaines de personnes qui nous suivent ici sur notre plateforme Zoom. Alors, partout où vous êtes. Par ce programme ou vous qui êtes encore ici sur Zoom, si vous voulez aussi envoyer le lien à vos amis, aux personnes que vous connaissez, aux proches, vous pouvez le faire. Je vous donne le numéro, écrivez-nous sur WhatsApp. Si vous êtes en étranger, l'adresse c'est +241 77 77 91. Je crois que c'est ça, le numéro. Ok. Si vous êtes à l'étranger, comme je vois ici nos bien-aimés ici, si vous êtes à l'étranger, vous pouvez nous écrire maintenant sur ce WhatsApp, le +271 77 77 77 77 deux fois. 91 et 81 à la fin. Et si vous êtes ici au Gabon, vous pouvez tout simplement mettre le 077 à la place de +241. Vous mettez le 077. 077, 77, 91, 81. Ok. Si vous pouvez nous rejoindre maintenant, que Dieu vous bénisse. Nous allons rester avec des personnes qui sont sur Zoom ici, car j'ai des instructions à vous faire passer. Je crois que nous avons déjà coupé sur Facebook. Nous bénissons le Seigneur.